Alors, on continue notre voyage donc, dans le cinéma américain des années 70. À cause d'assassinat, je vous parlerai pas du titre français, parce que vous allez voir, quand vous aurez vu le film, il signifie à peu près rien, alors que le titre original, Parallax View, et on y reviendra, parce que c'est aussi presque une sorte de programme, hein, de lecture du film. C'est quoi ce Parallax View? C'est quoi l'effet Parallax? Et comment est-ce que le film le met en route? Pour moi, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la décennie, et le chef-d'œuvre sans doute de celui qui l'a fait, qui est un cinéaste qui malheureusement n'est plus très très connu aujourd'hui, c'est très dommage, qui s'appelle Alan Pakula. Alan Pakula, c'est quelqu'un qui fait partie de cette génération de cinéastes qui ont fait plusieurs films, on pourrait dire, avant que les années 70 arrivent. Mais il est surtout connu, il est né en 1928, hein, donc il est plus tout jeune quand il réalise, il a moins de 50 ans lorsqu'il réalise Parallax View. Et il a d'abord été producteur, Alan Pakula, et notamment d'un cinéaste qui s'appelle Robert Mulligan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, du homme qui a fait du Silence et des Ombres, The Nickel Ride, L'Homme Sauvage, etc. Il a été producteur de Robert Mulligan. D'ailleurs, quand on voit les films de Robert Mulligan, on se dit qu'il y a une espèce de cousinage avec ceux de Pakula. Et puis, il s'est mis à réaliser ses propres films à la fin des années 60. Et là, il est très connu, Pakula, pour beaucoup de raisons, mais au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'il a réalisé ce qu'on appelle presque on pourrait dire la trilogie de la conspiration, si vous voulez. Le film que vous allez voir là, c'est le deuxième, hein, de volet de cette trilogie. Ça n'a pas été conçu comme une trilogie, mais il a fait trois films entre 71 et 76 consacrés à la question de la politique, de la conspiration, de la paranoïa, etc. Son premier film, c'est Clout, en 71, un film avec Donald Sutherland et Jane Fonda, qui est une sorte de film de privé, mais à la sauce paranoïaque, si vous voulez. En 74, il réalise ce film-là, qui est absolument son chef-d'œuvre. Alors, vous allez retrouver Warren Beatty, c'est pas voulu, vous l'avez déjà vu dans John McCabe, et cette fois, c'est encore lui qui joue le rôle principal d'un journaliste qui enquête sur un assassinat, l'assassinat d'un homme politique. Et puis, il bouclera sa trilogie un an et demi plus tard, en réalisant peut-être son film le plus connu, hein, qui est Les Hommes du Président, hein, qui est un film avec Dustin Hoffman et Robert Redford, et qui raconte l'enquête du tandem Woodward-Bernstein au moment de l'affaire du Watergate. Bon. Donc ça, c'est sa trilogie de la conspiration. Et on reconnaît immédiatement un film d'Alan Pakula. Alors, c'est quelqu'un, il est peu connu de la part mais même de certains cinéphiles aujourd'hui, et pourtant il a été beaucoup vu par des cinéastes et pas uniquement américains. Donc, je pense que l'influence de Pakula sur le cinéma américain après lui sera vraiment très importante. Par exemple, on en reparlera après, mais quand vous voyez certains films de Michael Mann, hein, un film qui s'appelle The Insider, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'ai oublié le titre français. Mais sur le scandale du tabac, ça vous dit rien. Enfin, Insider est un film qui doit beaucoup, hein, au style d'Alan Pakula. Et on va pas en parler là, mais vous allez voir, c'est un style qui est extrêmement bizarre, c'est-à-dire qui est à la fois très très abstrait, toujours proche du surnaturel, c'est-à-dire que Pakula nous filme un monde dont on a perdu en fait à la fois les clés, les repères. On est très très proche même du fantastique par moment. C'est l'homme qui a su donner des images à ce que c'est que la paranoïa au cinéma. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux depuis. Vous avez la façon là dont le film évolue. Alors, deux, trois choses rapidement, mais je vous en parlerai très longuement après. C'est que le film, il est passionnant d'abord parce qu'il incarne, à mon avis, le mieux ce grand courant qui a été le courant du film dossier paranoïaque des années 70. Alors, on aurait pu projeter Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack, on aurait pu projeter Conversation secrète de Coppola, très très grand film réalisé au même moment, évidemment. Ce sont des films qui sont tous réalisés entre 72 et 76, hein, si vous voulez. C'est le moment, pour des raisons politiques évidentes, liées au Vietnam, au Watergate, aux assassinat politique non résolu, où d'un seul coup il y a ce sous-courant qui émerge dans le cinéma américain de l'époque. Et Parallax, à mon avis, est le chef-d'œuvre de tous ces films-là. Et l'autre chose que je veux vous dire, mais ça, encore une fois, j'en reparlerai après, c'est que le film, il sort en 74. Il est tourné alors que Nixon n'a pas encore démissionné, ce qui est assez drôle. Hein, il y a une espèce de coïncidence incroyable entre la démission de Nixon et Parallax View. Et surtout, il s'inscrit dans une réalité politique américaine de l'époque très très particulière, qui est celle des assassinats politiques non résolus. Hein, il y en a eu notamment, on pourrait dire, deux qui ont une importance gigantesque dans l'histoire du cinéma américain de l'époque, qui sont évidemment celle de Kennedy, l'assassinat Kennedy, et celui en 68 de Robert Kennedy en juin 68 à Los Angeles. Et vous allez voir que la séquence d'ouverture du film, qui est absolument phénoménale, c'est tourné à Seattle, est une citation, une relecture de ces deux assassinats-là. J'y reviendrai, parce que ce qui est très compliqué avec Parallax View, c'est que c'est un film qu'on peut voir sans avoir en tête
l'assassinat de Kennedy et toute son histoire, et en voir un film extraordinaire, évidemment, mais c'est un film qui devient génial dès lors qu'on a, on a en tête quelques rappels sur l'assassinat de JFK, parce que c'est un film qui retravaille très très rigoureusement hein, certains assassinats politiques, mais à l'image près. Et ça, je vous en reparlerai après. C'est pour ça qu'à l'époque, les Américains, lorsqu'ils voient le film, ça leur parle. Aujourd'hui, c'est vrai que 40 ans plus tard, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins ces images et ces événements-là en tête, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, je vous laisse avec le film. Et aussi, parce que Pakula, il est indissociable de deux autres collaborateurs qui constituent presque sa petite famille. C'est d'un côté Gordon Willis, l'homme qui fait la photographie, qui a fait la photographie 2 ans avant du Parrain, l'homme qui est spécialisé dans les temps sombres, dans l'obscurité. Vous allez voir, c'est quasiment impossible de faire un film aujourd'hui qui arrive à qui fait autant le pari de l'obscurité. Hein, vous allez voir, comme par moments, c'est dur de voir ce qu'il y a à voir dans le plan. Hein, aujourd'hui, c'est impossible. La plupart des producteurs diraient éclairé parce qu'on ne voit rien. Là, non. Il y a des séquences entières dans une quasi-obscurité. C'est absolument magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'on a évidemment totalement perdu aujourd'hui. Donc, Gordon Willis, c'est le chef opérateur. Et puis aussi le compositeur. Moi, j'adore les bandes originales de ce compositeur qui s'appelle Michael Small. Vous allez voir, et qui contribue terriblement à l'ambiance dérangeante du film. Et Michael Small a été un grand compositeur de musique de film et qui est notamment connu pour les bandes qu'il a composées pour Alan Pakula. Voilà, donc film de 1974, Parallax View, donc à cause d'assassinat en français, mais on oublie le titre français, Parallax View, et on y revient tout à l'heure. Bonne projection. Just fine, thank you. Welcome to our city. Since the assassination, 6 of these people have died in some kind of an accident. There is no evidence of a conspiracy. These people were killed. And whoever killed them is going to try to kill me. Austin thinks that maybe we all saw something up there. We're in the business of reporting the news, not creating it. You've been asking questions about me and things you know nothing about. What I know is I need a good alias and I need a good ID. Who are you? You know, there for a moment, I thought you were a man. My life is in danger just being here. And whoever's behind this is in the business of recruiting assassins. I think I got some of their entrance exams. Congratulations, Richard. You had some very interesting scores on the first series of tests for Parallax. You know, your tests suggest that you have remarkable talents. In a risk situation, I believe you'll go right down the line. Quality to get you in trouble is what makes you potentially invaluable. We're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work of your life. Bon, ben voilà. Ça vous a plu ? Hein ? Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui n'ont pas du tout aimé le film ? Non ? Ça peut arriver. Ils sont partis ? Alors, bon, y a énormément de choses à dire sur le film. Donc, je vais peut-être commencer à vous dire 2-3 petites choses. Et puis après, comme d'habitude, on échange, quoi. Alors, ce qui est d'abord, je voudrais vous dire 2-3 choses qui sont évidentes, mais c'est intéressant quand on voit le film dans son ensemble et de voir notamment son évolution. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, la façon dont le film, on pourrait dire esthétiquement, évolue.
C'est-à-dire que au début, on est plutôt sur des plans de personnages assez rapprochés, sur des gros plans où Warren Beatty existe vraiment dans la première partie du film, avant qu'il contacte vraiment la Parallax Corporation, enfin l'entreprise Parallax, on le voit vraiment. C'est-à-dire que c'est assez intéressant qu'on peut presque se dire qu'au début, l'individu est plus important dans le cadre que le décor. C'est grosso modo la première façon dont le film est conçu dans sa première partie. Dans la seconde partie, à partir du moment où il se fait passer pour Richard Paley, en fait, un membre possible de la Parallax, une espèce de type délinquant, bardé de pathologie, etc., peu à peu, le film glisse vers un autre traitement qui est que l'individu est de plus en plus petit à l'intérieur du cadre. Jusqu'à la séquence de fin, qui est connue pour être une des grandes séquences de l'histoire du cinéma américain, le moment de l'assassinat de Hammond, lorsqu'on prépare la convention. Il y a des moments, alors ça c'est une expérience intéressante à faire, vous voyez ça chez vous à la télévision, ça dépend du type de télé que vous avez évidemment, mais il y a des plans qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à voir dedans. C'est-à-dire qu'on ne repère même pas les personnages en train de se déplacer ou uniquement les jambes. Bon. Et ce qui est assez beau, c'est dans la seconde partie du film, on a tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est Warren Beatty, alors c'est assez drôle de voir la façon dont il disparaît peu à peu du film. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, au début, il est extrêmement actif, c'est lui qui va lancer le récit, c'est lui qui va mener son enquête. Même d'ailleurs, le film, il y a même des séquences, presque des séquences d'action, un peu bizarres au début du film. Donc, voilà, le barrage, la rencontre avec le shérif texan, on se croit, même la poursuite en voiture qui se termine, y compris dans un magasin avec la vitre cassée. Là, on est presque dans les clichés du journaliste qui mène un peu comme un héros de film d'action son enquête. Et puis, dès lors que la Parallax va croiser sa route, là, le film change complètement de registre et là pour le coup va vers une espèce d'ambiance qui est presque plus fantastique, beaucoup plus abstraite. Il y a ces très très beaux plans, ce qui est la marque de Pakula, ces plans où on voit cette architecture totalement écrasante, où on voit ces petits personnages se déplacer, que ce soit à la fois les buildings, une espèce de d'immeubles extrêmement bizarres. Toute la fin, on a l'impression que l'humain a complètement disparu au profit de structures totalement écrasantes qui sont des structures architecturales. Quelque chose ce à quoi on reconnaît le cinéma de Pakula, on le reconnaît évidemment dès le début, c'est justement cette idée que l'individu occupe une place de rouage à l'intérieur. C'est un cinéma qui ne valorise pas du tout, on pourrait dire, l'humain qui aurait une capacité à agir sur les événements, c'est tout le contraire évidemment par Parallax View, mais sur la façon dont l'environnement, le décor écrase complètement l'individu. Ce qui crée une sensation de malaise d'ailleurs au bout d'un moment, c'est que je ne sais pas si vous avez senti la façon dont le récit évolue très bizarrement. Au début c'est très très tenu, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On a l'impression que Warren Beatty passe son temps à donner l'impulsion de différentes actions. Et lorsque la Parallax rentre en ligne de compte, il devient un pion. Évidemment, tout le sujet du film, c'est comment est-ce qu'un individu qui veut être un insider, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre pour démasquer un complot, se fait complètement piéger par le complot, évidemment, et devient à la fin un rouage parmi d'autres. Bon. Donc moi, j'aime d'abord beaucoup la façon dont le film évolue. Il y a d'abord des invraisemblances du point de vue du scénario. Une des plus grosses étant celle lorsque le yacht de Austin Tucker, explose. Dès le lendemain, la nuit, on se retrouve dans le bureau de la rédaction et l'autre lui apprend effectivement qu'on sait maintenant que 3 personnes ont été tuées dans ce bateau. Or, la rencontre avait lieu incognito. Quand on regarde de près le scénario, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais le style de Pakula est tellement vertigineux qu'en fait, on l'oublie. Ce n'est pas le problème. Et je dirais même qu'une des qualités du film, c'est justement de montrer qu'un scénario classique, c'est-à-dire que si on prend le scénario de façon un peu cartésienne, en se disant, est-ce que c'est logique tout ce qui se passe ? Évidemment, ça ne l'est pas. Donc, on peut considérer que c'est un défaut du film. En même temps, tout le sujet de Pakula, c'est de se dire, il y a des choses qui arrivent, il y a des événements qui se passent, et on n'en saura qu'une toute petite partie. D'ailleurs, à la fin, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus qu'au début. C'est ça qui est évidemment génial. Autrement dit, c'est un film qui nous montre un monde incomplet et complètement lacunaire. Donc, il n'y a pas de raison que le scénario soit logique, puisque de toute façon, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Et que je dis ça parce que quand on regarde Parallax View, d'où l'importance de l'effet parallax, c'est-à-dire qu'il faut toujours changer évidemment son regard, et ce qui pourrait être d'abord une sorte a priori de défaut de scénario devient un projet dans le film. Évidemment, il y a des invraisemblances, il y a des raccourcis, il rencontre l'homme qui a aidé à tuer au début le sénateur Carroll, il le file, il rentre dans l'avion, et là il se demande comment dire qu'il y a une bombe à l'intérieur. Tout ça, ça ne tient absolument pas debout, mais ce n'est pas grave, parce que le seul qui croit que le monde tient debout, c'est Joe Freddy. Et nous, l'idée, c'est qu'en tant que spectateur, à la fin, on se dise, mais tout ça est tellement invraisemblable, tellement incohérent, c'est pour ça que le film est un film déprimant, c'est un film déprimant non pas parce qu'il nous dit que le mal l'a emporté,
ou parce que la parallaxe continue ses activités, oui, un peu. Mais c'est un film qui est déprimant parce qu'en fait, il nous montre un monde auquel on ne comprend rien. En nous faisant croire qu'on va comprendre. Et c'est parce que c'est un film d'enquête. Donc évidemment, l'enquête, c'est toujours quand un spectateur il s'identifie à un personnage qui mène une enquête et qu'à la fin, l'enquête n'est pas résolue, il n'y a rien de plus frustrant. Parce que l'idée de l'enquête, c'est quand même d'amasser des informations pour qu'à la fin, il y a une image, qu'il y a un puzzle complet. Or, à la fin, il n'est évidemment pas du tout. Alors, le film fonctionne aussi, évidemment, les deux grandes séquences très très connues, indépendamment de la séquence d'ouverture et de fin, ce sont les deux séquences de la commission. Hein, première séquence où on voit cette espèce de petit théâtre d'ombre qui nous dit qu'effectivement, en dépit de toutes les différentes théories, les possibilités de complot, non, pas du tout, il y a eu un homme qu'on a identifié, un homme qui porte un prénom et deux noms, ça c'est très important, j'y reviendrai, et que voilà, c'est l'assassin unique, terreur isolée, pour des motifs XY extrêmement personnels. Donc voilà, là on a rendu le premier verdict de la nation. La fin du film, alors qu'évidemment on a vu tout le récit, rebelote, même commission. Alors évidemment, il y a des détails hyper intéressants dans le film, c'est que la première fois, la commission, c'est un travelling arrière, je sais pas, un travelling avant, pardon, qui nous présente cette commission-là. À la fin, c'est le même plan, les mêmes membres, le même discours, mais c'est un travelling arrière. Autrement dit, c'est l'idée d'un film qui s'annule, c'est-à-dire que c'est un film qui fait du surplace. C'est du justice éternelle, hein, qui évidemment n'avance jamais, et qui produit toujours exactement les mêmes discours. Bon. Alors, il y a quelque chose, évidemment, qui est, si vous voulez, Parallax View, c'est un... D'ailleurs, le film s'ouvre hein, avec le plan qui détermine le titre. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a cette espèce de totem, gigantesque totem indien. La caméra se déplace légèrement et laisse apparaître, parce que c'est dans la même ligne de mire, derrière la Space Needle, l'espèce de structure très connue de Seattle. Ça, c'est l'effet Parallax. Et tout le problème du film, évidemment, c'est de se dire... C'est quoi l'effet parallaxe? Est-ce que c'est, lorsqu'on pose sur un objet un seul point de vue, est-ce qu'il y a deux objets qui apparaissent? Autrement dit, est-ce qu'il y a deux objets, il suffit de changer le point de vue pour voir deux objets, l'un caché l'autre? Ou bien est-ce que c'est, il y a deux objets véritablement, dès lors qu'on pose un seul point de vue dessus, hein, il y a une véritable, on pourrait dire, un vrai découplage des objets. Autrement dit, est-ce que le monde est double parce que je porte un regard différent, il suffit que je décale un peu pour me rendre compte qu'il y a toujours quelque chose derrière, ou bien le monde est vraiment double, quel que soit le regard que je porte sur lui. Et l'effet parallaxe, c'est évidemment tout le sujet, hein, si vous voulez, du film. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous dise quand même, qui est, sans rentrer dans les détails, parce que sinon on en aura pour 4 heures, c'est que Parallax View, c'est d'abord, indépendamment du fait que c'est un grand film sur la paranoïa, enfin, de cette époque-là, du cinéma américain, la paranoïa c'est quoi? C'est l'idée que, si vous voulez, que contrairement au cinéma américain classique, où l'individu avait une emprise sur le monde, et à chaque fois qu'il met en œuvre une action, le modifiait, hein, c'est que c'est ce que faisait l'individu qui déterminait le monde. Cette fois, dans le cinéma de la paranoïa, cette idée que l'individu devient totalement impuissant. C'est un rouage, c'est un pion. Et évidemment, le thème de la programmation dans Parallax View, c'est ça. C'est l'idée d'un monde, si vous voulez, qui conspire. Autrement dit, on ne se saura jamais quelles sont les puissances politiques ou occultes qui président à ce monde-là. Ce qui fait que c'est presque un monde de, on dirait, des puppet masters, si vous voulez. Hein, de Parallax View, c'est le monde que Pakula filme. Et tout le cinéma de la paranoïa, c'est ça. C'est l'idée. C'est pour ça que c'est un cinéma qui est proche du fantastique, qui est proche de l'occulte. C'est qu'on ne sait jamais véritablement qui est à la manœuvre. Hein. Quelle est la taille de la conspiration? On se rend compte que quelqu'un au Texas, à tel moment, à tout moment, quelqu'un peut se révéler être un rouage d'une gigantesque conspiration. Dans les 3 jours du Condor, il y avait ça aussi. Conspiration secrète, c'est pareil. Ce qui fait que c'est un monde qui conspire partout. Hein, comme s'il y avait effectivement des puissances presque surnaturelles hein, qui dictaient sa marche. Alors, on est très très loin du cinéma classique hollywoodien qui considère que voilà, le monde, c'est, il y a des élus, il y a de la politique, il y a la Maison Blanche, il y a Lincoln, il y a des responsables, il y a des gens qui dirigent véritablement. Là, pas du tout. Il y a des gens au-dessus. Et ces gens-là au-dessus, bah, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom, ils ont des noms très bizarres, genre comme la parallaxe, etc. Mais on ne saura jamais qui s'en occupe. C'est vraiment un théâtre d'ombre. Alors, je dis ça, c'est très important parce que vous avez vu les deux séquences de la commission dont je vous parlais. C'est que dans ces deux séquences-là, la mise en scène, elle va contre le discours. Le discours, c'est il n'y a pas eu complot, il y a un seul assassin, tout est clair. La mise en scène, c'est ils sont figés, on dirait des robots. Ils sont dans l'obscurité, on dirait le tribunal de la pègre dans M. le Maudit.
Hein, c'est comment est-ce que la mise en scène dit le contraire d'un discours. C'est pour ça que n'oubliez jamais ça. C'est la mise en scène qui parle jamais, au fond, ce que disent les personnages et le scénario. Et là, on voit bien que, quelles que soient les conclusions de la commission, la façon dont Pakula les filme, il filme ça comme un lieu de secret, hein, et de conspiration. C'est-à-dire que là, ce qui devait être l'image de la justice rayonnante, inattaquable, fiable, etc., devient, on a l'impression d'être dans le parrain, hein, on a l'impression que c'est la mafia qu'on est en train de filmer. Ça, je vous parlais tout à l'heure du chef opérateur Gordon Willis, c'est important parce que c'est le même qui avait éclairé le parrain. Et en fait, on se rend compte qu'il utilise, il utilise sa photographie un peu sombre, un peu opaque, obscure, qui est la métaphore du secret, de ce qui est caché, de ce qui est souterrain. Il l'utilise évidemment pour les rapports de la commission. Alors qu'on devrait avoir confiance. En fait, c'est la justice est filmée comme si c'était des mafieux. Hein, autrement dit, la justice nous dit tout ce qu'on dit est vrai, mais comme la mise en scène dit le contraire, elle dit vous dites que c'est vrai, mais en fait tout ce que vous dites est faux. Hein, et ça c'est très très beau la façon dont Pakula filme ces choses-là. Alors, non, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un film fantôme, hein, si vous voulez, qui est le commentaire qui est à la source plutôt de Parallax View, c'est évidemment ce que je vous ai dit au tout début, l'assassinat de Kennedy. Bon, là je fais un petit détour parce que tout le film n'est qu'un commentaire. Évidemment brillant, mais n'est qu'un commentaire, une espèce de relecture, si vous voulez, de développement de deux assassinats politiques américains qui sont un JFK en novembre 63 et l'autre celui d'assassinat de Robert Kennedy en juin 68. C'est-à-dire que si on n'a pas ça en tête, au fond, on ne comprend pas vraiment de quoi parle le film. Enfin, on comprend l'ambiance, la paranoïa, etc. Mais bon. C'est-à-dire que je vous rappelle juste, parce que ça va permettre de vous parler ensuite de la fameuse séquence du test, hein, cette longue diaporama de 6 minutes au début du film, qui est le rapport le plus direct, évidemment, à JFK, si vous voulez. Alors, deux choses. L'assassinat au début du sénateur Carroll, lorsqu'il arrive en calèche, le jour de l'indépendance, avec sa femme, avant de monter dans la Space Needle et puis de se faire assassiner, cette séquence-là, elle cumule deux types d'images, si vous voulez. Un, ça commence par les images de l'assassinat du président Kennedy. Hein, le couple, elle porte d'ailleurs un tailleur qui est à peu près le même que Jackie Kennedy le jour de l'assassinat de JFK. Le couple, la parade, le jour d'une campagne présidentielle, là en l'occurrence qui peut le mener à la présidence. Donc on a ce qu'on appelle des motifs, c'est-à-dire que le début, lorsque les Américains voient 1974, tout le monde ne pense qu'à ça. Hein, évidemment, le fameux trajet du président Kennedy à Dallas le 29 novembre 1963 avant de se faire assassiner. Et lorsqu'il monte dans la Space Needle, son assassinat, là c'est une citation de l'assassinat de Robert Kennedy précisément. Hein, dans l'ambassadeur hôtel Los Angeles en juin 68, et qui, si vous avez un tout petit peu en tête certaines des photos qui avaient été publiées à l'époque du corps de Robert Kennedy juste après son assassinat, hein, Pakula les a reprises exactement, hein, c'est des citations très très directes de ça. Donc le film il travaille sur trois points, c'est JFK, Robert Kennedy, évidemment le Watergate. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, c'est que le film est tourné alors que Nixon n'a pas encore démissionné. Hein. Hein, l'affaire du Watergate est en train de se dérouler. Bon, c'est les trois événements qui ne cessent d'être ultra présents dans Parallax View. Je vous dis ça parce que un petit rappel sur la. Est-ce que vous avez tous vu évidemment les images d'assassinat du président Kennedy? Mais je vous rappelle très rapidement qu'on est donc le 22 novembre 63, que Kennedy donc entame sa deuxième, enfin la campagne pour sa réélection. Il est déjà président et à ce moment-là, il part donc au Texas, qui est censé être un État qu'il va lui falloir conquérir. Qui est un peu difficile pour lui, hein, est un peu conservateur. Bon. Et le 22 novembre, donc, il arrive, alors qu'à l'époque, beaucoup de ses proches, de ses conseillers lui ont justement déconseillé de venir à Dallas, lui disant que c'était un endroit un peu chaud, il y avait des Russes blancs, des extrémistes, enfin que ce n'était pas un endroit pour lui, qu'il y avait des risques pour sa personne qu'il aille à Dallas. Et JFK, il va quand même. Bon. Et donc, il arrive vers 11h, 11h30 à l'aéroport de Dallas. Il fait sa petite tournée des popotes. Et puis, il va faire ce fameux trajet qui va traverser Dallas. Et puis, en passant par différents endroits, il arrive sur cette fameuse place qui est Daily Plaza, sur Elm Street. Hein, je dis ça parce que Elm Street, c'est un nom de rue qu'on a dans certains films américains et dans des titres américains.
notamment je pense à ce film de Wes Craven, Freddy, le cauchemar de la nuit, c'est débile comme titre, le titre original c'est Nightmare on Elm Street, pour les Américains Elm Street c'est tout de suite la rue où s'est fait assassiner le président JFK, il arrive sur Elm Street et là il y a deux, vous avez peut-être ces images en tête, deux limousines, devant la limousine de JFK on a le gouverneur du Texas qui est là avec sa femme et derrière le chauffeur JFK et sa femme Jackie Kennedy. Et alors qu'il passe sur Elm Street, des coups de feu retentissent, il reçoit des balles et notamment son crâne explose. Bon, et là, panique, vous avez vu ces images, panique à bord. Bon, et il part à l'hôpital de Parkland de Dallas et déclaré mort une heure plus tard. Bon. Ce qui est intéressant, c'est intéressant, ce qui est tragique mais intéressant pour nous, c'est que au moment où JFK se fait assassiner le 22 novembre 1963, il y a un habitant de Dallas, qui est un fabricant de robes de la ville, qui prend sa petite caméra Super 8, il s'appelle Abraham Zapruder, qui est sans doute peut-être c'est l'homme qui a quand même fait le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma américain, hein. C'est pas Autant emporte le vent, c'est pas Citizen Kane, c'est ce que va faire cet homme-là ce jour-là. Et lui, il a envie, il a sa caméra Super 8, il a envie de, voilà, il apprend que le président américain va passer quasiment devant chez lui. Et puis il se poste sur une petite butte qui surplombe la place où va passer JFK. Et là, avec sa petite caméra Super 8, il est tout content, il va faire un home movie comme il s'en fait des milliers, hein, les enfants, le bord de la plage, et putain, le président passe, je vais le filmer. Et donc il prend sa petite caméra Super 8 et il va filmer le passage du cortège présidentiel, ne pensant évidemment pas qu'il allait filmer en plus l'assassinat du président Kennedy. Alors il se trouve qu'il va faire ce petit film et enregistrer malgré lui, c'est pour ça que ça en fait le film amateur le plus célèbre de toute l'histoire, il va enregistrer malgré lui l'assassinat du président Kennedy. Bon. Alors je dis ça parce que cet homme qui s'appelle Abraham Zapruder, il va donc réaliser un petit film qui dure 26 secondes très précisément, et qui comporte 477 photogrammes, et qui va être, encore une fois, le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma américain. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait ce film-là, vous imaginez évidemment la panique après l'assassinat du président Kennedy, qui est déclaré mort. Bon, Johnson prête serment le soir même, et nommé président intérim, si vous voulez, juste après. Et au même moment, est arrêté dans un cinéma de la ville, un assassin, celui qu'on pense être l'assassin, qui est Lee Harvey Oswald. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a tout un truc autour des complots des assassins des présidents américains sur les trois noms. C'est pour ça qu'ils ont tous trois noms, là. Lee Harvey Oswald, enfin bref. Et il est arrêté dans un cinéma de la ville. On pense que évidemment, c'est lui qui a tué JFK. Mais il se trouve que le 24 novembre, deux jours après l'assassinat de JFK, Lee Harvey Oswald, au moment où il est transféré du commissariat de Dallas pour partir ailleurs, alors qu'il arrive dans les couloirs, vous avez peut-être vu ces images-là aussi, un patron d'une boîte de nuit surgit, il lui tire deux balles dans le ventre et Lee Harvey Oswald meurt. Bon. Et c'est d'ailleurs dans l'histoire des images, c'est le premier assassinat en direct à la télévision, c'est ça. En 64, l'assassinat de Lee Harvey Oswald. Alors que Kennedy, évidemment, c'est pas en direct, ça sera après coup parce que ça a été filmé. Bon. Alors, ce qui est passionnant, c'est que quand on a en tête, d'un côté, le film de l'assassinat de JFK, les 26 secondes, et l'assassinat d'Oswald deux jours après, l'assassinat que vous avez au tout début du film, c'est une remise en scène absolue, hein, évidemment, de l'assassinat de Kennedy, hein, à la fois du président, mais aussi de l'assassin, le Oswald, en haut, celui qui disparaît très commodément, hein, qui part de la Space Needle, qui disparaît, hop, plan suivant, c'est bon, il y a un seul tireur, etc. Bon. Alors, la commission, la fameuse commission qu'on voit là, elle ne surgit pas comme ça, la commission qu'on voit là, c'est une remise en scène de la fameuse commission Warren. Hein, puisque quand Kennedy est assassiné, juste après est nommée une commission qui est présidée par le juge Earl Warren et qui va pendant des mois et des mois et des mois étudier voilà, les pièces, les preuves, refaire, enfin bref, pour aboutir un an après l'assassinat de Kennedy en septembre 64 à son rapport. Et c'est ce rapport-là, les conclusions de la commission Warren, que pastiche le film de Pacula. Et les conclusions de la commission Warren, c'est il y a eu un seul tireur, donc ce n'est pas un complot, hein, parce que pour que les complots, il faut qu'il y ait au moins deux tireurs, très très important ça. L'idée de la commission, c'est qu'il fallait absolument montrer qu'il y avait un seul tireur, donc il y a eu un seul tireur, il s'appelle Harvey Oswald, il est mort, il a été assassiné, donc là, il y a évidemment c'est un rapport qui fait 26 volumes, hein, c'est énorme, et il a été assassiné, et puis tout le problème évidemment, c'est la question des balles.
Hein, c'est que lorsqu'on va voir le film de l'assassinat du président Kennedy, il y a des problèmes d'incohérence. En tout cas, l'idée, il aurait fallu que Lee Harvey Oswald ait tiré, si vous voulez, 3 balles en 6 secondes, un peu plus, hein, ce qui est évidemment, à l'époque, certains tireurs d'élite ont fait l'expérience, c'est absolument impossible. Et sur les 6 balles, sur les 3 balles, pardon, il y en a une qui était tombée en gros à côté dans une butte, une autre qui a touché Kennedy à la gorge, et une troisième qui l'a touché en pleine tête. Bon. Et donc toute la commission, le rapport de la commission, c'est de dire, il y a eu un seul tireur, c'est Oswald, il a tiré ces 3 balles-là. Le problème, c'est qu'il y a une des balles qui a fait tellement de blessures que c'est devenu ce qu'on a appelé la théorie de la balle magique. Hein, c'est celle qui a blessé à la fois Kennedy, le gouverneur. C'est une balle, quand on fait son trajet, en fait, qui a fait une série de coudes. C'est assez vertigineux à voir, qui est passé dans un coude, a touché un bras, est revenu dans le poignet, etc., etc., pour finalement atteindre la gorge de Kennedy. Bon, c'est la fameuse, de façon ironique évidemment, un homme qui s'appelait Arlen Specter qui a mis ça au point, la théorie de la balle magique. Bon. Lorsque la commission Warren rend son rapport, il y a déjà une grande partie des Américains qui ne croient pas évidemment à la thèse du terreur unique. Hein, la question du complot commence évidemment à germer. Bon. Là, il faut que je revienne sur quelque chose d'important, puisque lorsque le fameux Zapruder a fait son film, lorsque le FBI, la CIA débarquent, etc., ils ont connaissance de l'existence d'un film, hein, qui est pour eux la preuve absolue. Hein, si on peut voir le film, on va savoir ce qui s'est passé. Et donc le film d'Abraham Zapruder est saisi et va être restitué ensuite, si vous voulez, à la commission Warren. Et lorsque les fans, les gens qui s'intéressent à l'assassinat du président Kennedy vont ouvrir le rapport de la commission Warren avec un fameux volume qui comporte tous les photogrammes de Zapruder, ils vont avoir la conviction, hein, qu'il y a des plans qui manquent. Ça, c'est très important, parce que tout l'intérêt du cinéma du complot, il vient de là. Ils ont le sentiment qu'il y a, entre le film que Zapruder a tourné et celui que lui rend le FBI, il y a des plans qui manquent. Bon, alors, j'ai pas le temps de développer tout ça, mais en gros, il y a comme s'il y avait une manipulation, évidemment, du film. Et puis, il y a autre chose qui va donner de l'eau à leur moulin, c'est que le magazine Life, lui, va se procurer le film d'Abraham Zapruder, et va, si vous voulez, publier en plusieurs fois quelques photogrammes de ce film-là. Au début, il publie uniquement des photos en noir et blanc, les moins violentes, où on voit le début, on voit la fin, on voit surtout pas le moment du crâne de JFK qui explose. Et puis le temps va passer, et peu à peu, ils vont commencer à montrer des photos de plus en plus, de plus en plus. Et après, la commission Warren, en gros, je crois que c'est en octobre 64, ils vont publier les fameux 8 photogrammes du crâne de JFK qui explose. Bon, qui est un moment, qui est le premier film gore de l'histoire du cinéma, qui aura une influence évidemment capitale. Hein, bon, et beaucoup, la plupart des cinéastes ont fait beaucoup de films autour de JFK. Clint Eastwood n'a fait que ça, Brian De Palma n'a fait que ça, Arthur Penn n'a fait que ça. C'est des gens qui ont... Arthur Penn, en plus, c'était le conseiller du président Kennedy sur les débats avec Nixon. Et la fin de Bonnie and Clyde est une citation, par exemple, de l'assassinat de JFK, lorsque le bout du crâne de Warren Beatty s'en va. Bon, bref, Brian De Palma n'a fait que ça. Tous les films de Brian De Palma, la vraie matrice du cinéma de Brian De Palma, c'est beaucoup plus Zapruder que Hitchcock. Mais bon, là, on en parlera quand on fera Phantom of the Paradise. Parce que ce que je vous dis là servira pour le débat sur Phantom of the Paradise. Bon. Et donc, Life publie des fameux photogrammes en couleur du crâne de JFK qui explose. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils se rendent compte, les gens qui enquêtent là-dessus se rendent compte que l'ordre des photogrammes entre la publication dans Life et celui qui est publié dans le volume du rapport Warren ne correspond pas. Alors, pour faire court, dans un cas, on a le sentiment que le crâne de JFK, au moment où il explose, est rejeté d'avant en arrière. Ça, c'est ce qu'on voit dans le film. Et lorsqu'il découvre les photogrammes du rapport Warren, c'est en sens inverse. On a l'impression que le crâne de JFK, lorsqu'il explose, est projeté en avant. Alors vous comprenez bien que si on pense que son crâne va en avant, c'est qu'il y a un tireur qui est derrière. Autrement dit, c'est toujours Oswald qui tire d'un endroit qui est devenu maintenant un musée à la gloire de JFK. Et si on voit que son crâne va en arrière, c'est qu'on lui a tiré depuis devant. Donc ce qui compte, ce n'est pas que c'est tiré depuis devant, ça veut dire qu'il y a 2 tireurs. Il y a 2 tireurs, c'est un complot, et là, toute la machine, évidemment, va se mettre en route. Ce qui veut dire que, à partir de là, le film d'Abraham Zapruder, ces fameuses 26 secondes, vont faire l'objet, si vous voulez, d'un nombre
d'analyse, d'interprétation absolument vertigineux. Hein, c'est pour ça que quand je dis que c'est le film le plus analysé, vous allez sur Internet, c'est un des, vous tapez JFK Zapruder, il y a des centaines de milliers d'entrées, c'est devenu presque une activité à part entière, si vous voulez. Bon. Et donc l'assassinat de JFK est ce qui va donner le coup d'envoi, si vous voulez, du cinéma du complot, avec cette croyance selon laquelle finalement, en analysant un film, on pourra avoir la vérité des événements. C'est ça la croyance des gens qui vont analyser le film en faisant en grossissant certains plans, certains photogrammes. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fou, si vous voulez. Ils vont rentrer dans l'image en se disant, en analysant l'image, en étant de bons petits cinémologues, hein, si vous voulez, on va avoir accès à la vérité de l'événement. Et évidemment, le paradoxe, c'est que plus on interprète, moins on y comprend quelque chose. Hein. Il y a des films comme Greetings de Brian De Palma, ou même il y a eu cette séquence dans Blow Up d'Antonioni, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, lorsqu'il, son peintre tachiste lui montre, David Hemmings lui dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, plus on s'approche des photos, moins on comprend ce qu'elles racontent. Et le cas d'Abraham Zapruder, de son film, c'est exactement ça. Et donc, si vous voulez, on a dans l'histoire du cinéma américain un moment où la question de l'image, de ce qu'elle montre et de la vérité va se casser. C'est-à-dire que dans le cinéma américain classique, il y a ce qu'on appelait, ce qu'un critique de cinéma qui s'appelait Serge Danet avait appelé le pacte photologique. Alors ça a l'air un peu barbare, mais c'est très simple. Le pacte photologique, c'est l'idée que finalement, la vision de quelque chose entraîne la connaissance. Voir, c'est comprendre. Voilà, exactement. À partir de JFK, du film de Zapruder et de toutes les images du cinéma américain des années 70, ce pacte-là, il est rompu. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vois quelque chose que je le comprends. Je dirais même que plus j'analyse, j'enquête sur une image, moins je comprends de quel événement en fait elle est dépositaire ou à laquelle elle est rattachée, si vous voulez. Ça, cette rupture-là, elle est absolument fondamentale. Ce qui fait que il y a la fameuse séquence du test au milieu du film, elle joue dans Parallax View exactement le rôle du film d'Abraham Zapruder. C'est le moment Zapruder du film. Alors, cette séquence du test, la première fois qu'on le voit, moi, c'est des films que j'ai vus des dizaines de fois, donc j'ai eu le temps de faire des arrêts sur image, plan par plan, voir comment ça fonctionnait. Mais est-ce que vous avez, vous, une idée de ce qu'est cette séquence du test ? En fait, qu'est-ce qui s'y passe ? Comment est-ce qu'elle évolue ? Est-ce que vous avez compris ça en voyant le film ? Parce que c'est le cœur, hein, évidemment, du film. Le film s'arrête pendant 6 minutes. Hein, de façon totalement ostentatoire. On a un diaporama et on sent que c'est, voilà, le film vise ce point-là. Qu'en fait, tout le film bascule précisément à ce moment-là. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur cette séquence du test ? À quoi elle sert ? Qu'est-ce qu'elle montre ? Et comment elle évolue ? Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est qu'au début, je rappelle juste ça parce que c'est quand même la séquence centrale, évidemment, très connue et centrale du film. C'est que la séquence du test, c'est vraiment, pour les gens qui s'intéressent à l'analyse d'image, c'est un moment absolument passionnant. Donc, c'est un exercice de sémiologie. C'est de se dire l'écart entre le signifiant et le signifié. C'est un film qui, d'abord, pose des notions. Moi, le foyer, le père, la mère. Le test, si vous voulez, il est construit en 3 parties, hein, très précisément. La première partie, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au début, le père a l'air super sympa, la mère, elle est adorable, le pays, c'est Lincoln, le drapeau, tous les symboles, mais presque, je dirais même précisément, les lieux communs, hein, attachés à toutes ces notions-là. Le père, la mère, etc. Ça, c'est la première partie. On pourrait se dire que à chaque, si vous voulez... le rapport entre le signifiant et le signifié est parfait, il est complètement du côté du cliché. Bon. La deuxième partie, c'est assez intéressant, parce que la première fois, le père, il est fantastique, la mère, elle est fantastique, ils sont très très beaux. Bon. La deuxième partie va introduire un hiatus là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas encore un bouleversement du tout, c'est on garde les mêmes notions, mais à l'intérieur de ces notions, pour illustrer ces notions-là, on commence à introduire des choses qui jurent, des bémols, si vous voulez. Et donc le père, ça devient un père au moment de la dépression. Hein.
le foyer, ça, il y a, sur des images très positives, d'un seul coup, l'arrivée d'une file de hobos pendant la dépression. Voilà, peu à peu, il y a des choses qui sont bizarres. Le country, d'un seul coup, c'est Nixon, ce qui est intéressant parce que Nixon n'a pas une bonne image. Hein, donc, c'est pas Lincoln, quoi, Nixon dans les années 70. Donc, la deuxième partie du test, c'est, on pourrait presque dire, c'est une façon de commencer à déstabiliser, à défaire le rapport entre le signifiant et le signifié, si vous voulez. Et la troisième partie du test, qui est le moment maelstrom, quoi. C'est le moment où ça va, d'abord, ça va beaucoup plus vite, ce qui est très important. Quand vous dites qu'à la fin, c'est un mélange, ce qui est génial dans cette séquence du test, c'est qu'à moins d'être un homme bionique ou un spectateur bionique, à la fin, on ne comprend plus rien. Et l'idée, elle est évidemment là. C'est que tout se mélange, la vitesse empêche l'analyse. Hein, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en tant que spectateur, au début, on se dit, bon, j'ai compris, le foyer, la mère, le père, etc. Deuxième partie, oui, père, mère, déjà, il y a des images, je ne comprends pas ce qu'elles font là. Hein. Puis, troisième moment, c'est-à-dire que c'est plus le foyer est renvoyé à quelque chose de négatif, ce qui serait le contraire du début. C'est que au foyer, à la mère, au père, à la mère, sont renvoyées une multitude d'images qui n'ont plus aucun rapport. Et la vitesse fait qu'évidemment, on baisse complètement les bras devant l'analyse. Bon. Évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le test, il fonctionne en deux parties. La première partie, c'est là, on pourrait dire, c'est la destruction du rapport entre une notion et ce qui lui est attaché. Et là, voilà. La deuxième partie, c'est la table rase, c'est ce qui va conduire à la programmation. C'est-à-dire que hein, c'est pour programmer, il faut d'abord avoir déprogrammé. Et donc le test, il est construit en deux parties. C'est-à-dire qu'on déprogramme le spectateur, et la seconde partie, on le reprogramme, si vous voulez. On le reprogramme dans le sens où, effectivement, derrière le moi, il y a à peu près tout ce qu'on veut mettre. Hein, Lincoln, Captain America, l'autre, etc. Tout se mélange. Bon. Alors, ça, c'est important puisque... alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette séquence-là, mais la première chose, c'est que, quand je vous parlais de Zapruder, si vous me dites, mais quel rapport avec Zapruder ? C'est que le rapport avec Zapruder, c'est que quand on a analysé le film d'Abraham Zapruder, il y a eu, dans les fameux photogrammes dont je vous parlais, une dizaine de photogrammes, si vous voulez, qui ont fait l'objet d'un nombre de débats incalculables. Bon, pour vous dire rapidement, c'est que les photogrammes du film d'Abraham Zapruder ont tous été numérotés, de Z001 à Z477. Et par exemple, le photogramme le plus connu, c'est le Z313. Et le Z313, c'est le photogramme précis où la tête de JFK explose. Bon, quand vous dites à un Américain Z313, c'est tout de suite ce que c'est. Nous, ça ne veut rien dire. Mais ils savent très bien. Par exemple, où le volume 8, où ont été montrés dans le rapport Warren les photos de JFK explosant, c'est des choses qui, pour les Américains, quand vous voyez Greetings et les 8 qui clignotent, tout le monde sait à quoi ça renvoie. Donc je dis ça parce que dans le film d'Abraham Zapruder, il y avait des photogrammes sur lesquels se sont concentrés les débats, pourquoi, qu'on considère comme des invariants. Le Z313, peu importe. Il y en a comme ça une dizaine. Et pourquoi ils ont été importants ? Parce qu'on a considéré qu'autour de ces photogrammes, ou ces photogrammes eux-mêmes, avaient été trafiqués. Hein. Par exemple, le Z313, il y a eu des gens qui ont considéré que le crâne de JFK qui explose, vous avez peut-être vu cette image extrêmement violente, c'est un effet spécial. Beaucoup de gens, c'est complètement délirant, évidemment, les théories du complot autour de JFK, bah, comme il y a eu évidemment autour du 11 septembre. La différence, c'est que le 11 septembre, on sait à peu près la vérité, alors que le JFK, on le sait pas. Et beaucoup de gens ont dit, oui, mais la tache de sang qui sort du crâne de JFK, c'est un effet spécial. Hein. Il y a même eu des gens qui ont dit, par exemple, que Jackie Kennedy court sur le capot, je ne sais pas si vous avez vu ce film, elle s'enfuit, c'est une lâche. Il y a beaucoup de gens anti-Kennedy qui ont pris le comportement de Jackie Kennedy comme une preuve de lâcheté. Alors qu'en fait, lorsqu'elle déposera dans la commission Warren, elle explique qu'elle est allée chercher un bout de crâne qui est parti du crâne de son mari pour le remettre sur la tête. Bon. Alors c'est intéressant parce qu'il y a dans le film d'Abraham Zapruder des plans comme ça, des plans qui manquent où des gens se sont interrogés énormément sur ces, on peut dire, sur tout était autour de ces 5-6 photogrammes plus précisément. Et les notions, si vous voulez, un des rôles des notions dans la séquence du test de Parallax View, c'est exactement le même que ces plans-là dans le film d'Abraham Zapruder. Autrement dit, toute l'idée du trafic autour du film d'Abraham Zapruder, et c'est ça qui est génial dans le film de Pakula, c'est qu'il renvoie dos à dos les tenants de la thèse du tireur isolé et ceux de la conspiration sans limite. Hein. Ce que nous dit Parallax View, c'est de toute façon, dès lors qu'on rentre dans une espèce de logique herméneutique à vouloir tout interpréter, au fond, c'est le regard qui produit la vérité qui veut sortir. Hein.
Et autrement dit, c'est nous qui reprogrammons les images qu'on est en train de regarder. Donc on n'aura jamais la vérité en voyant les images. Ce qui est évidemment toute l'idée autour de l'analyse du film de Zapruder, hein, et du fameux pacte dont je vous parlais. Et donc, dans le test, si vous voulez, les différentes notions, elles fonctionnent exactement dans le film, comme dans le film d'Abraham Zapruder, sachant qu'à l'époque, le fameux mouvement de tête dont je vous parlais, on a considéré que des photogrammes avaient été inversés, avaient été trafiqués, etc. Bon. Donc première chose. La deuxième, c'est que dans la grande histoire du film d'Abraham Zapruder, vous pourriez me dire, oui mais alors, qui voit le film d'Abraham Zapruder aux États-Unis à l'époque? Alors ça c'est assez passionnant parce qu'on se rend compte que le film d'Abraham Zapruder, il sera diffusé pour la première fois publiquement, c'est-à-dire une chaîne de télévision, en 1975. 12 ans hein, après les événements, dans un show d'ailleurs qui à l'époque il est présenté comme un midnight movie, c'est-à-dire comme un film d'horreur si vous voulez. Parce qu'on va voir la tête du président évidemment exploser. Et auparavant, pas du tout. Mais pourtant, il y a eu. Vous avez peut-être vu le JFK d'Oliver Stone, hein, qui est un film. Alors là, alors évidemment, c'est un film extrêmement compliqué parce que chaque plan renvoie à une pièce du dossier JFK, le JFK d'Oliver Stone. Mais c'est un film très très rigoureux. C'est un obsédé de ça, évidemment, Oliver Stone. Et il raconte Oliver Stone, son film, le fameux procès qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans. Entre 67 et 69, hein, je ne sais pas si vous avez ça en tête, qui est le procès d'un procureur à Nouvelle-Orléans qui s'appelle Jim Garrison, c'est Kevin Costner qui joue le rôle dans le film, et contre un homme d'affaires de Clay Shaw, enfin peu importe. Et Garrison était convaincu en faisant ce procès qu'il allait pouvoir démontrer qu'évidemment il y a eu un complot, autrement dit que d'autres personnes hormis Oswald ont été impliquées, si vous voulez, dans l'assassinat de JFK. Et pourquoi je vous parle de Garrison? Parce que l'idée géniale de Garrison au moment du procès, c'est qu'il a réussi à contraindre le FBI et le groupe Time Life qui possédait le film à l'époque, de projeter, comme une pièce à conviction, le film pendant hein, l'audition. Et donc, on pourrait dire que la première projection hors du cercle très privé de Zapruder, du FBI, des services secrets, ça a été à l'occasion du procès Garrison, où en salle d'audience, le film a été projeté. Et toute la théorie de Garrison, ça a été d'analyser le film devant tout le monde en disant « Regardez, c'est pas possible, la tête de JFK part en arrière, donc il y a un tireur qui est devant lui, donc c'est un complot. » C'est là-dessus que se tient la thèse de Garrison. Bon. Et donc c'est assez passionnant, mais Garrison, lui, il a conscience effectivement que bon, tout ça, c'est quoi 50 personnes qui vont voir le film. Et ensuite, c'est reparti dans l'anonymat. Et c'est là qu'avec un de ses amis, il va avoir l'idée de faire des copies pirates, de faire avant de rendre le film au FBI, entre la salle d'audience et le FBI, il va faire des copies pirates. Hein, du film. Bon, le film est rendu et c'est là, en fait, que le délire autour de l'assassinat de JFK et du film va évidemment se développer. Parce que le problème des copies, c'est pas comme aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les copies de copies de copies, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne voit strictement plus rien. Il y a une perte de qualité et de grain des images hein, qui fait qu'au bout d'un moment, la copie 25e génération ne ressemble plus à rien et comme ça ne ressemble plus à rien, on y voit ce qu'on veut. Hein, c'est ça qui, évidemment qui est intéressant avec cette idée qu'en voyant l'image on pourra toujours comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc ça, l'évolution, c'est-à-dire que donc Garrison fait des copies de JFK et inonde les campus, les milieux universitaires et journalistiques avec ce film-là. Ce qui fait que le grand public, lui, voit le film en 1975, mais tout le monde a déjà vu le film dans des copies totalement délabrées et tout le monde, ça circule sous le manteau. D'ailleurs, à l'époque, avec des nudies, c'est intéressant, c'est qu'on vend des films porno et l'assassinat de JFK en Super 8, parce qu'il y a une tradition dans la presse américaine qui fait que les revues porno sont aussi des revues très subversives et politiques. Ce n'est pas vraiment le cas en France. C'est-à-dire que le plus grand entretien donné par Jim Garrison à l'époque, ce n'est pas Washington Post, c'est à Playboy. Hein, je dis ça parce que c'est pas la fonction là-bas des revues hardcore, sert aussi de cheval de Troie à des textes beaucoup plus politiques. Hein, c'est très très différent. Mais ça pour dire que le petit film d'assassinat JFK, il va circuler sous le manteau exactement comme ce qu'on appelle des nudies à l'époque. Et dans des versions toujours plus délabrées et toujours plus atroces, si vous voulez. Et donc, on arrive en 75, alors que la plupart des Américains sont convaincus, évidemment, qu'il y a eu un complot. Donc la question en 75 du complot, elle est sûre pour tout le monde. Tout le problème, c'est de savoir qui a tué JFK, et ça, on ne le saura jamais. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup écrit, je pense à un écrivain, par exemple, comme Don DeLillo. Vous avez peut-être entendu parler de Don DeLillo, le plus grand écrivain américain contemporain, qui a commencé à écrire en 71 Americana, qui se termine sur Daily Plaza, qui a écrit un livre extraordinaire que je vous conseille de lire, qui s'appelle Libra, hein, sur l'assassinat de JFK. Tous ces films, ces livres ne parlent que de ça. Et il disait, c'est l'assassinat Kennedy qui m'a inventé en tant que tel. Et Brian De Palma disait à ce propos, mais au fond, l'assassinat Kennedy a une telle importance dans l'imaginaire américain, est tellement structurant, qu'au fond, même s'il n'avait pas existé, il faudrait l'inventer. Hein, donc la question de savoir qui a tué JFK, au fond,
quasiment n'intéresse plus personne aujourd'hui. Mais par contre, ça a eu un tel impact sur l'histoire politique et l'histoire des formes, hein, comme structure de complot, qu'au fond, c'est devenu voilà, quelque chose de totalement structurant dans l'idéologie américaine, si vous voulez. Alors, je reviens à mon petite histoire, à une histoire de test. Pour dire autre, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a donc ces invariants qui fonctionnent dans le film comme les photogrammes du film d'Abraham Zapruder. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça, comme la première fois qu'on voit, ça va passer un peu vite, mais il y a un moment, on voit un homme noir en train de tirer. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Plan du pistolet, plan de la balle, plan d'une victime qui tombe. Vous avez ça en tête. Il y a un premier enchaînement comme ça. Et ensuite, quelques secondes plus tard, vous avez cette même séquence, mais inversée. Hein, plan de l'homme qui est tombé, la balle jusqu'à l'homme noir. Alors ça, ce sont des citations très subtiles, mais très très fortes, évidemment, du fameux mouvement de tête dont je vous parlais, JFK. Autrement dit, est-ce qu'on fait de la cause une conséquence ou l'inverse ? Cette espèce de jeu permanent sur l'ordre des photogrammes dans le test renvoie au jeu délirant qu'il y a eu, évidemment, sur les photogrammes du film d'Abraham Zapruder. Bon. Et puis, parce qu'il faut aller... Je me dépêche un peu quand même, parce que sinon on va y passer la nuit. Il y a aussi une chose qui est évidemment très importante, et pour moi ce qui est la torsion absolue, évidemment, c'est que, bon, à la fin du test, ou plutôt, il y a quelque chose qui est formidable, c'est que quand on voit la séquence du test, on oublie qui est en train de le regarder, et finalement, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, il faut le rappeler, c'est que Warren Beatty, dans le film, Joe Freddy, le journaliste, donc se fait passer pour quelqu'un d'autre. Cette fameuse double identité, où tu dis, mais s'il faut toujours viser la seconde et pas la première. Bon. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Bon. Et donc, au début, avec son copain qui fait du tennis avec le singe, il truque les réponses à la parallaxe, au test de la parallaxe. Donc là, on est dans un essai de schéma absolument classique où un homme va effectivement truquer, voilà, et on voit très très bien comment ça fonctionne, bon, donc on n'a pas de doute ou de question sur ce qu'il est en train de faire. Mais la séquence du test, c'est le moment génial du film, c'est que là, peu importe que ce soit Joe Freddy ou un autre, il a ses doigts qui sont posés sur le siège, les terminaisons nerveuses qui sont posées, et donc le test que vous allez voir, c'est celui que lui va voir. Mais c'est un test qu'on est en train de voir. On n'est pas en train de voir d'exercice, d'analyse à la Zapruder. On est d'abord en train de voir un test. Et évidemment, ce qui est formidable, c'est que Joe Freddy passe le test. Et pour moi, toute la folie du film, c'est-à-dire le truc énorme qui fait passer au milieu, c'est de se dire que finalement, Joe Freddy, Warren Beatty, il a passé le test. Or, c'est comme un détecteur de mensonges. C'est-à-dire que, et là, il y a un doute génial à l'intérieur du film. C'est que, est-ce que Warren Beatty, au fond, est un truqueur tellement génial qu'il arrive à commander à son corps, de façon instinctive, on pourrait passer les réactions qu'il faut avoir, ou bien est-ce qu'il est vraiment devenu l'assassin parfait de la parallaxe ? Et le film ne tranche jamais, c'est pour ça qu'il est génial, parce qu'à partir de là, il y a un doute. Peut-être que Warren Beatty, effectivement, s'est fait piéger par cette fausse identité, la parallaxe est plus fort que lui. Je pensais ça, évidemment, l'idée du film. C'est que lui croyait à l'ancienne qu'il allait pouvoir remonter au sommet du pouvoir, tout déjouer, et tout éclairer, et puis à l'ancienne, on pourrait dire, purger le système, etc. Non, il s'est fait complètement avoir. Warren Beatty est un personnage qui est plutôt sympathique, ridicule, et finalement totalement pathétique à la fin. C'est que là, à la fin, le système est plus fort que lui. Et il est plus fort que lui, non pas parce que le système a gagné, mais il est plus fort que lui parce qu'au moment du test, Warren Beatty l'a passé brillamment. Au moment du test, Warren Beatty est devenu l'assassin qui voulait combattre, si vous voulez. Et donc cette espèce d'ambiguïté-là dans le film, sur laquelle on ne peut pas, il faut surtout pas trancher d'ailleurs, cette question-là, elle est vertigineuse parce qu'elle ouvre évidemment le film. Elle fragilise tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le monde qui s'ouvre. D'un seul coup, on a un personnage dont on ne sait plus le statut. Et d'ailleurs, toute la séquence de fin, où on se rend compte, d'abord, il n'existe quasiment plus. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que visuellement, Warren Beatty est en train de disparaître à l'écran. C'est plus qu'une silhouette, en contre-jour, de loin. C'est devenu totalement un pion, qui est regardé par des gens qui sont comme ici, d'ailleurs, derrière des baies vitrées. Et là, il est rentré dans un plan. C'est qu'au début, il échafaudait un plan pour essayer de démonter la conspiration. Et à la fin, il n'est plus qu'un pion à l'intérieur d'un plan qui le surplombe et qui le domine. Et ça, la dimension terrible, évidemment, du film, elle est là, me semble-t-il. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ou on se dit pas, parce que moi, je me suis dit ça au bout de 2-3 visions. Je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre. Joe Freddy passe le test.
et qu'il arrive. Hein. Donc, quelle est la part là-dedans de simulation géniale ou alors de vérité hein. Et moi, je pense que c'est évidemment, il faut tenir ces deux hypothèses toujours en même temps. Hein. C'est qu'il est à la fois, il a appris à simuler, hein, et en même temps, il s'est fait absorber hein, et il s'est fait reprogrammer lui-même. Hein. C'est un film sur la programmation par l'Axio. Ce qui fait que la dernière séquence du film, qui est pour le coup une reprise de l'assassinat à la fois de JFK, évidemment, mais surtout de Lee Harvey Oswald. Si vous voulez, pour faire court, Warren Beatty rentre dans le film comme un journaliste à l'ancienne, et il en sort oswaldisé. Vous voyez, c'est ça, hein, l'idée du film. Et à la fin, c'est Oswald. C'est-à-dire que toute la séquence de fin reprend tous les motifs de l'assassinat d'Oswald. L'obscurité, le tunnel, la source de lumière vers laquelle il se dirige, qui renvoie évidemment à la porte du commissariat, le surgissement du personnage, qui est celui de Jack Ruby, le fusil que vous voyez là, qui est très précisément le fameux Mannlicher qu'aura utilisé Oswald, qui est posé, qu'on voit deux, trois fois de façon extrêmement ostentatoire, qui est exactement le fusil qu'aurait utilisé Oswald au moment de l'assassinat de JFK. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte, si vous voulez, qu'au moment de l'assassinat de Kennedy, il y a eu une série, ce qu'on pourrait appeler une série de tropes, de motifs, de configurations qui vont être retraités, mais à l'infini par le cinéma américain, disons au moins des 30 années qui vont suivre. Je pense qu'un des derniers à avoir fait de JFK, il y a Dans la ligne de mire, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, dans lequel Clint Eastwood joue le rôle d'un garde du corps qui était là le jour de l'assassinat du président Kennedy et qui depuis vit dans le remords de ne pas avoir pu empêcher une balle de toucher JFK. Ça, il y a Dans la ligne de mire, qui est un film avec Eastwood, mais auquel Eastwood tenait évidemment beaucoup. Il y a Un monde parfait, un des derniers à avoir Un monde parfait, ça ne parle que de Kennedy, hein, parce que le film se passe le jour de l'assassinat du président Kennedy, le 22 novembre 1963, Texas, Dallas. Il y a un film qui s'appelle Dr. T et les femmes, ça vous dit quelque chose, un des derniers films de Robert Altman, hein, un des personnages dont une des filles de Richard Gere, qui dans le film, son boulot, c'est de faire visiter l'endroit de l'assassinat de JFK à Dallas. Hein, parce que quand vous allez à Dallas, c'est une drôle de ville, Dallas, parce que c'est une ville qui est à la fois contemporaine et toute une partie est restée collée en 63. C'est une ville qui vit selon deux temporalités assez, assez étranges. Et il y a Dealey Plaza n'a quasiment pas changé depuis 40 ans, enfin 50 ans bientôt. Et y a, à l'endroit où JFK s'est fait tuer, et plus précisément à l'endroit où son crâne a explosé, y a une croix grise a été dessinée. Et quand vous allez à Dallas aujourd'hui, vous avez plein de touristes venus, je sais pas, de Finlande, d'Allemagne, du Japon, qui arrivent sur la croix et se font photographier, ce qui produit toujours des problèmes de circulation gigantesques. Et dans Dr. T et les femmes, la fille s'occupe de ça. Elle fait le trajet de l'assassinat pour les touristes. Elle, sur la butte, l'endroit où devrait être Oswald, l'endroit où son crâne a explosé, etc. Il y avait d'ailleurs à Dallas, il y a encore quelques années, ça a été supprimé, un tour que vous pouviez faire dans une limousine. Vous étiez avec un shérif qui vous refaisait en limousine le trajet exact de JFK et de sa femme de l'aéroport de Dallas à l'hôpital Parkland. Mais lui avait des haut-parleurs dans sa limousine, ce qui fait qu'à certains endroits, des coups de feu retentissaient, qui correspondent exactement aux endroits où JFK s'est fait tirer dessus, les sirènes, etc. Et pour des raisons, je trouve ça un peu morbide. Plutôt que la ville avait envie d'oublier un peu ça, même si Dallas reste la ville de l'assassinat de JFK, et puis de la série. Mais d'abord, qu'on arrive à Dallas, où on ne pense qu'à JFK, évidemment. Donc la ville a supprimé ce genre de petit tour-là. Et dans les années 80, le fameux bloc, le Texas Book Depository, d'où Oswald aurait tiré, il y a eu un grand débat à la mairie de Dallas, savoir qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment-là, puisqu'il est la mémoire d'un moment noir de l'histoire de l'Amérique. Et donc il y avait une opposition entre ceux qui voulaient d'un côté le détruire et de l'autre ceux qui voulaient en faire un musée JFK. Et finalement, c'est devenu un musée JFK. Et d'ailleurs, si vous allez sur des webcams aujourd'hui, vous allez sur webcam Nelly Plaza, je ne sais pas, il y a une webcam qui a été placée à l'endroit précis d'où Oswald aurait tiré. Donc, vous pouvez vous mettre à la place de Oswald et sa lunette qui diffuse à 1524. C'est marrant. Et donc, vous voyez, vous arrivez sur la croix grise, etc. Bon. Tout ça pour dire quoi ? C'est que la dernière séquence du film, c'est donc une remise en scène. En fait, pour moi, la puissance, évidemment, du film, c'est la façon dont il a repris tous ses motifs de façon... aujourd'hui, ça nous parle
forcément plus tellement, mais à l'époque, c'est quelque chose, lorsque le public américain voit tout le film, il sait exactement à quoi ça renvoie, parce que les images de JFK, de Robert Kennedy, de Harry Oswald, sont des images qui sont passées en boucle, hein, à l'échelle de ce que ça pouvait être, des images qui passent en boucle, comme ce le seront celles du 11 septembre, ce qui est évident que du JFK au 11 septembre, c'est les deux grands événements images de l'Amérique du XXe siècle. Et ce qui est assez fou, c'est de voir que la fin du film retraite ces motifs-là. Et donc, je vous dis ça parce que ça pourra nous servir même pour d'autres films, c'est que les motifs de l'assassinat de JFK, et qu'on repère dans des films, c'est quoi? C'est le meurtre au cours d'une parade. Hein, citation classique. Un couple politique, évidemment, qui se déplace et qui est assassiné. Le sniper, quelque chose de typique. L'éclatement du crâne, et beaucoup de films joueront évidemment de ça, si vous voulez. Le sentiment qu'il y a une conspiration aux ramifications énormes et invisibles. Hein. C'est-à-dire que JFK a été une matrice, si vous voulez, qui a produit un nombre de on pourrait dire, d'événements et de formes énormes, hein, aussi bien dans l'histoire des images en littérature qu'au cinéma. Et Parallax View est un film qui est évidemment totalement, si vous voulez, là-dedans. Alors après, il y a des choses qu'on pourrait... il faudrait reprendre tout le film et puis il faudrait retravailler plus précisément sur les images et de voir ce qu'il en fait. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est aussi très très beau dans le film, c'est la façon dont il joue de l'obscurité et de la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que là... Il y a historiquement une tradition dans l'histoire du film noir, du film criminel, parce que c'est de là que ça vient, le cinéma du complot, c'est une sorte de grand développement, enfin, c'est la queue de comète, si vous voulez, du film noir. La tradition que l'opacité, le secret, ceux qui gouvernent, en secret, hein, tout ce qui préside de façon un peu mafieuse et criminelle aux destinées du monde, tout ça, c'est dans des souterrains, filmé dans une sorte d'obscurité, hein, c'est la couleur mafieuse, le parrain, voilà, en gros, pour faire court, c'est le parrain. Bon. Ou alors, dans Les Hommes du Président, qui est d'ailleurs c'est intéressant, parce que Pakula va filmer le contraire de Parallax View dans Les Hommes du Président. Il le disait lui-même, hein, parce que Les Hommes du Président, ça montre au contraire la réussite de deux journalistes qui, à coup de téléphone et de rendez-vous, etc., vont réussir finalement à débusquer un responsable, Watergate, et à faire tomber un président. Quelque chose, évidemment... quelque chose d'impensable en France, mais quelque chose qui fait partie de la mythologie, évidemment, de la réalité américaine, Premier Amendement. Quoi. Bon. Et donc, autant Les Hommes du Président est un film optimiste, autant Parallax View est un film, si vous voulez, pessimiste. Et l'un est le contre-champ, hein, de l'autre. Et Pakula disait d'ailleurs, Parallax View, c'est un film que je fais lorsque j'ai tendance à me laisser aller à ce qui m'inquiète en Amérique. Hein, et Les Hommes du Président, c'est le film que je fais lorsque mon humeur est plus optimiste. Hein. Il y a les autres Hommes du Président, c'est ce à quoi je voudrais croire, et Parallax View, c'est ce que je crains. Voilà. Si vous voulez, c'est deux, bon, c'est deux, les deux facettes du cinéma de Pakula. Et ce qui est évidemment très fort dans le film, c'est la façon dont la Parallax Corporation, cette entreprise-là, au fond, n'a pas de contour. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est un film qui est très moderne de ce point de vue-là. C'est qu'il n'y a pas de chef. On ne le verra jamais. Hein. Il n'y a pas de contour. Elle est, vous avez vu que son siège, lorsque la première fois que Warren Beatty arrive pour passer son entretien, on voit qu'elle est au milieu d'une entreprise de ressources humaines, de pétrole. Donc elle a vraiment la pignon sur rue. Hein. Façon de dire que l'idée de la parallaxe, hein, de cette entreprise mafieuse et criminelle, je veux dire, elle agit au grand jour. Elle est totalement, en fait, elle est mélangée avec d'autres entreprises. Façon de dire que les autres entreprises doivent l'être aussi. Avec la criminalité partout, totalement répandue. Ils sont d'ailleurs, ils sont pas du tout en treillis, hein, ou ils sont pas des gueux, les gens de la Parallax. C'est que des gens en costard, c'est des cadres, c'est Wall Street, quoi. Hein, c'est le capitalisme, si vous voulez. Ils sont là. On travaille pour les plus offrants. J'aime beaucoup leur logique, d'ailleurs. Il n'y a aucun motif idéologique. Ils s'en foutent. Si tu arrives à devenir un démocrate, trois ans après, c'est un républicain. Ça ne pose pas de problème. C'est la logique. Un cynique, pour le coup, d'une entreprise qui fonctionne et qui donne aux plus offrants. Et il le dit lui-même, Jack Younger, au début, à Warren Beatty, on a des demandes de toutes les branches de l'industrie. J'adore cette façon de parler, la politique, toutes les branches de l'industrie. Donc c'est un film qui est extrêmement cynique aussi. Mais, alors, non, mais dernière chose quand même, cette question du sommet, du contour. C'est que là, on voit en quoi on est dans un film américain des années 70. C'est un film impensable, mais même pas indépendamment même de l'affaire JFK. C'est un film impensable, on pourrait dire, dans ne serait-ce que 15 ans plus tôt. Dans le cinéma classique américain,
il y a l'idée, si vous voulez, que le monde, il est fait de façon pyramidale. Hein, ça veut dire qu'en grosso modo, ceux qui sont au sommet commandent ceux qui sont en dessous. Et donc, pour atteindre le sommet d'une structure, d'entreprise, d'un pouvoir, il suffit de remonter. C'est comme une pyramide. Et au sommet de la pyramide, il y a un homme incarné. Voilà. Et si on a envie de demander des explications, de tuer, on le tue, mais en tout cas, c'est lui. Et quand cette tête tombe, le système s'effondre et il faut en recréer un autre. Ça, c'est idéologiquement, c'est le mode de pensée du cinéma américain. Quand je dis mode de pensée, mais c'est même en termes de mise en scène, parce que là, voilà, on s'en fout un peu de la question même de la pensée. La question, c'est voilà, au nom de quoi la mise en scène fonctionne. Hein. Ça, c'est le cinéma classique américain. Dans le cinéma des années 70, en tout cas dans ce qu'il a de moderne, on est passé, si vous voulez, d'une structure pyramidale, hein, à l'ancienne, à une structure du réseau, réticulaire, si vous voulez. C'est quoi le réseau? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, contrairement à la pyramide, n'a pas de contour, contrairement à la pyramide, n'a pas de sommet, et contrairement à la pyramide, ce qui compte, si vous voulez, c'est beaucoup plus la place qu'on occupe que les gens qui l'occupent. Ça veut dire que dans une pyramide, les gens ne sont pas interchangeables, alors qu'ils le sont dans un réseau. Ce qui fait que, quel que soit l'endroit du réseau où on se situe, il y aura toujours un pion qui viendra remplacer un autre. Et Parallax View fait partie de ces films qui permettent de bien, si vous voulez, comprendre. C'est-à-dire que si vous prenez un film de Capra, vous prenez M. Smith au Sénat, ou, je prenons cet exemple-là, vous prenez un Capra, vous prenez un King Vidor, mais disons un Frank Capra, et vous prenez Alan Pakula, vous comprenez la différence entre les deux. Attention, je ne dis pas qu'il y a encore aujourd'hui des films qui se font sur un mode extrêmement ancien. Il y a encore beaucoup de films. La plupart des films, d'ailleurs, croient aujourd'hui à la structure pyramidale. C'est beaucoup plus réconfortant, plus facile. Il n'y a pas beaucoup de films qui, du point de vue du complot, de la paranoïa, nous disent, en gros, on n'atteindra jamais le sommet. Comme il n'y a pas de contour, à tout moment, quelqu'un peut être pris dans le réseau ou pas. Ça, c'est extrêmement intéressant, ce qui fait que ça produit chez le spectateur le sentiment que tous les personnages sont éventuellement doubles ou, une part... C'est le fameux effet parallaxe dont je vous parlais. Si on change de point de vue sur eux, peut-être qu'ils font aussi partie du réseau. Donc toutes les identités deviennent instables, fragiles. Hein. Le réseau, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez vu dans le film, on ne sait jamais qui fait partie de quoi. Hein. Je veux dire, le plan insistant du garde du corps, par exemple, de Tucker sur le bateau, ça veut dire quoi? C'est quoi le garde du corps? Je ne peux pas dire, quand je vois le film, si ce personnage est du côté de Tucker ou contre lui. Ou s'il est contre lui, mais il explose. Ah oui, peut-être qu'il est contre lui, qu'il a été manipulé, programmé par une instance supérieure. Autrement dit, dans la pensée du réseau, on ne sait jamais à quel endroit se situent les gens. Et même les gens ne peuvent pas le savoir sur eux-mêmes. C'est ça qui est évidemment génial. Ils pensent travailler pour quelque chose et finalement, ils font partie d'un programme. Bon, c'est ce qui arrive à Warren Beatty dans le film. Warren Beatty, il pense à l'ancienne qui maîtrise tout. Hein, t'inquiète pas, voilà, je vais faire ça. Hein. Et puis à la fin, il est comme un couillon qui se rend compte que c'est juste devenu la partie d'un programme qu'il dépasse. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que et moi je trouve qu'on ressent ça à la fin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais je trouve qu'à la fin du film, on a ce double sentiment du type qui s'est fait avoir. Ça, dans le sens où finalement, on se rend compte lorsqu'il va vers le couloir que c'est à la fois ce qu'il faut faire, tenter de s'échapper, et en même temps, à ce moment-là, on se rend compte que non, c'est un programme. Hein, c'est-à-dire que finalement, évidemment, qu'il n'en sortira pas avec ceux qui le regardent depuis les baies vitrées, qui regardent d'ailleurs tout ça comme un gigantesque cirque. Hein, c'est intéressant. Tout est vu de haut, vous avez vu, hein, l'assassinat du sénateur, qui lui-même est un pantin. Parce que c'est un film là-dessus, hein, sur la programmation. Dans Parallax View, il n'y a que des pantins. Il n'y a aucun humain, si vous voulez. J'aime beaucoup le moment où le discours passe tout seul de l'homme politique et lui parle de golf. C'est-à-dire que c'est, pour moi, une des images les plus violentes qu'on ait jamais montrées, hein, alors que d'autres auraient monté l'engagement de cet homme politique qui y croit, mais une personne y croit. Mais non, là, non. Là, le discours parle tout seul. Et c'est, pour moi, c'est une des plus belles images, hein, que je connaisse dans l'histoire du cinéma de ça. Hein. Voilà, on se retrouve avec cet homme politique qui n'en a plus rien à faire. Ça marche tout seul. Hein, c'est un robot. Hein. Donc, et tout sur la mécanisation, hein, si vous voulez, du discours, etc. Pour moi, c'est une des plus belles images, évidemment, qui existent. Et donc, quand je vous parle de Pantin, c'est que le film... Et pourquoi il est si anxiogène que ça, ce film? Indépendamment de la mise en scène, vous avez vu la façon dont les personnages sont perdus dans le plan, cette musique, je ne sais pas si vous l'avez appréciée, la musique de Michael Small, qui est très bizarre, on est entre l'angoisse et l'hymne qui ne veut pas vraiment démarrer. Enfin, bref, c'est lui qui avait fait notamment la musique aussi de Marathon Man. Hein, enfin, les musiques de Michael Small, on les reconnaît, c'est unique, c'est quelqu'un qui s'est installé une espèce d'atmosphère, pas d'horreur, hein, mais une atmosphère inquiétante. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est le sentiment que...
y a une musique qui a l'air, il y a une musique dissonante, voilà, c'est ça la musique de Michael Small, et on le voit dans la façon dont le film. Et donc pourquoi il est si effrayant? Parce que, un, il ne statue pas à la fin sur ce qui s'est passé. Deux, il nous montre un monde qui est totalement incomplet. Finalement, on n'y aura rien compris. C'est ça qui est complètement fou. Qu'on ne sait bien, il y a pour le coup, autant dans le cinéma classique, le monde était un peu en désordre au début, et puis à la fin, avant que le rideau ne se ferme, il avait retrouvé un ordre. Hein. Autant là, à la fin du film, on sort, on a encore plus de questions évidemment qu'au début, et le film se referme sur un monde totalement lacunaire, hein, si vous voulez, et fragile, et surtout indéchiffrable. Je pense que c'est ça qui est vraiment passionnant dans le film, c'est que il y a, par exemple, alors bon, au tout début, lorsqu'on voit arriver le sénateur Carroll, il y a deux séquences. La première séquence, lorsqu'il est interviewé par la journaliste. Deuxième séquence, quand on le voit en haut. Mais d'abord, journaliste en bas, vous vous rendez compte que ça, dans le film, ça joue aussi le rôle d'une image dont on nous dit que tout le monde l'a analysée à n'en plus finir. Hein, vous vous souvenez, lorsque cette femme, 3 ans après, revient en disant « Oui, mais regarde, celui-là, il est mort », ce qui est évidemment une citation très directe de JFK, puisqu'à l'époque, beaucoup des témoins d'assassinat de JFK ont tous disparu. Bon. Et on se rend compte que dans le film, cette séquence-là, qui dure 45 secondes, elle joue encore un rôle similaire à Zapruder. C'est-à-dire que quand vous regardez la séquence, vous vous rendez compte que Warren Beatty est dedans depuis le début. Et on met 15-20 secondes à se rendre compte qu'il est là. Même Tucker, je sais pas si on s'en souvient pas forcément quand on le revoit 20 minutes plus tard. Autrement dit, cette séquence-là, il y a eu des photos, et on comprend 3 ans plus tard que grâce aux photos de cette séquence, puisque c'est de cet événement qu'arrivera, dans cet événement que surgira l'assassinat, cette séquence-là, elle joue le même rôle que l'assassinat de Zapruder. C'est-à-dire que tout le monde a vu et revu, a essayé de comprendre les différents détails cachés. Ce qui fait que le film met beaucoup à l'épreuve notre regard. C'est ça que j'aime bien dans le Parallax View. C'est que si on dort, on ne comprend rien. Si on est passif, on ne comprend rien. C'est-à-dire que c'est un film qui nous demande d'être en permanence en alerte. Et même au début, je pense même la première fois, à mon avis, on ne le voit pas bien le film. Il faut le voir une deuxième fois. En se disant, ah oui, tous les plans comptaient. Ou plutôt, dans les plans, il y a des choses qui me semblaient importantes qui n'étaient pas du tout. Et c'est vrai. Les grands films modernes, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est devant, c'est toujours ce qui est derrière, hein, ce qui est un peu caché. Et au début, dans cette séquence, c'est exactement ça. Hein. L'assassinat survient alors qu'on est au second plan, on ne voit pas que ça va venir de là. De la même façon que les personnages au début, on devrait tous les avoir en tête, faire comme les gens qui ont analysé Zapruder en se disant la calèche, les majorettes et les gens, on n'a pas le temps de voir. Et donc, il faudrait revenir sur ces images-là. Et donc, le film met à l'épreuve en permanence notre regard. C'est ça que je trouve évidemment très, très intéressant, c'est de voir comment est-ce que, comme tous les films modernes, notre regard n'est jamais guidé. Et plus le film va, plus, je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous avez ressenti, plus on met de temps à savoir ce qu'il y a dans le plan, ce qu'il faut regarder. Au début, c'est très clair. Et puis, peu à peu, il y a une sorte d'anamorphose, presque de dissension du rythme, du plan, c'est un côté extrêmement flottant, c'est moins tenu, et on rentre dans un film, on passe d'un film narratif à un film d'ambiance quasiment, et au bout d'un moment, et jusqu'à la séquence de fin, on met du temps à savoir où il faut ancrer notre regard. Là, les jambes, là, une silhouette, là, un tout petit bonhomme perdu, et on voit bien comment le film passe de l'humain comme centre du monde, hein, à l'humain comme pion d'un gigantesque réseau. Et ça, esthétiquement, il le montre, Pakula. C'est ça qui est évidemment génial. Hein. C'est qu'il ne nous dit pas, il n'y a pas un panneau en disant « Attention, humain en danger ». Non, c'est que plus le film avance, plus on a du mal à chercher, on ne trouve plus l'humain dans le cadre. Hein. Et même la question du fameux discours dont je vous parlais, du sénateur Hammond, c'est ça. C'est un humain, mais ce n'est même pas lui qui parle, donc c'est déjà un robot. Hein. Il y a tout le film décline en permanence, évidemment, toutes ces idées-là, hein, si vous voulez. Maintenant, voilà, c'est à vous. Non, parce qu'après, moi, je pense que c'est un film qui est à la fois, enfin, je ne sais pas si vous avez vraiment beaucoup apprécié, moi, je trouve que c'est un film très intelligent, extrêmement riche, mais voilà, le seul bémol, c'est que c'est bien d'avoir, alors là, pour le coup, en tête, les images de Kennedy ou cette histoire de l'Amérique à ce moment-là. C'est un film qui retravaille tellement ces images-là que le film est évidemment génial, hein, ce n'est pas le problème, mais voilà, je pense qu'il y a des... il est extrêmement codifié, très connoté, comme beaucoup de l'époque. Hein. Je vous ai parlé de Bonnie and Clyde, on aura pu parler de dizaines d'autres films. Et peut-être qu'on en reparlera mais beaucoup plus rapidement, là, pour le coup, la prochaine fois, puisqu'on passe Phantom of the Paradise. Vous avez tous vu Phantom of the Paradise ? Non ? Vous allez le revoir. Phantom of the Paradise, qui est
mais là j'en parlerai moins parce que j'en ai parlé ce soir, qui est aussi une gigantesque relecture évidemment d'Assassinat de JFK, fait par celui donc, pour lequel ça a été une obsession, c'est Brian De Palma évidemment. Et Fall of the Paradise est un film là-dessus. Parce que il y a beaucoup de films qui, c'est un classique du cinéma américain, le, on pourrait dire le sniper tuant un homme politique ou un dirigeant. Et l'ironie du sort veut évidemment que quelques mois avant l'assassinat de JFK, plusieurs films soient sortis, notamment deux de John Frankenheimer, qui a été un des grands spécialistes de la politique fiction début des années 60, deux films géniaux. Un qui s'appelle « 7 jours en mai », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non ? Et l'autre qui s'appelle « Un crime dans la tête », « Manchurian Candidate », hein, il y a eu un remake pas terrible fait récemment, mais voilà, bon, Un crime dans la tête sont des films très très connus, très célèbres, et qui sortent surtout un an avant l'assassinat de JFK. Et dans Un crime dans la tête, c'est un film qui raconte l'assassinat de JFK, mais un an avant qu'il ait lieu. Toujours cette espèce de rapport très bizarre entre la réalité et la fiction. Et d'ailleurs, les salles de cinéma à l'époque déprogramment immédiatement le film de John Frankenheimer. Il n'est pas possible, alors que le président de JFK vient de se faire assassiner, de montrer un film un an avant qui remonte les détails, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'est absolument passionnant, mais bon, c'est une autre histoire. Vous avez l'air totalement crevé. Peut-être qu'on pourrait montrer le film de Zapruder, éventuellement. Ah ouais, bah, peut-être que la fois d'après, à ce moment-là, je l'apporterai. Ouais. Je vous le montrerai. Est-ce que quelqu'un veut peut-être faire une remarque, peut-être ? Et ce qui est passionnant, c'est que cette histoire du complot et de la conspiration, elle est... D'abord, elle est structurante, hein, de la culture américaine, évidemment. Et sur JFK, c'est quelque chose d'absolument vertigineux. Parce que, évidemment, vous doutez bien qu'il y a eu le film d'Abraham Zapruder, que chacun des photogrammes a été multi-analysé, des théories les plus incroyables ont été mises en place, tous les personnages, on a cherché à savoir d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient ce jour-là. Il y a eu une théorie incroyable, farfelue, là, une femme au parapluie dont on a pensé qu'elle dissimulait un lance-roquette, enfin, c'est du délire. Et surtout qu'il y a eu d'autres petits films qui ont été faits, ça c'est assez intéressant, lorsque JFK est passé sur la place, mais celui de Zapruder reste évidemment le plus connu. Il y en a eu quelques autres qui ont été faits un peu avant, parce qu'il y a eu un passant qui a eu une crise d'épilepsie, quelqu'un l'a filmé. Il y a eu deux, trois autres petits films, et surtout ce qui est passionnant, notamment un qui s'appelait Charles Bronson, pas le Bronson qu'on connaît, mais un autre Charles Bronson. Mais ces films-là, maintenant, appartiennent aux archives. Je dis ça parce que c'est en 2029 que les archives JFK seront réouvertes au public, et là, ça va être absolument passionnant de vous revoir, même si suite au film d'Oliver Stone, certaines archives ont été réouvertes, mais c'est en 2029 qu'on pourra revoir notamment les films de tous ces gens-là. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, et là on en parlera la semaine prochaine à propos de Brian De Palma, c'est que Brian De Palma, lui, s'est intéressé à l'assassinat de JFK du point de vue, on pourrait dire, de l'enquête par l'image. Il s'est dit, voilà, mon enquête politique, je vais la mener par l'image. Et évidemment, tout le problème de l'assassinat de Zapruder, de ce film dont je vous parle, des 26 secondes, enfin, il y en a plein, mais il y a deux problèmes... Enfin, il y a deux manques. S'il y a du manque, il y a du cinéma possible. Il y a d'un côté le fait que c'est un film muet, le film d'Abraham Zapruder. C'est pour ça qu'on pourra imaginer c'est quoi le film d'Abraham Zapruder sur lequel on met du son. Hein, et ça, c'est Blowout de Brian De Palma. Et le deuxième manque, c'est le contre-champ. C'est-à-dire qu'on ne voit l'arrivée, si vous voulez, de la limousine que d'un seul point de vue, qui est celui de Zapruder posté sur sa butte. Mais on n'a pas le contre-champ. Il y a eu des films, et par exemple des films comme Snake Eyes de Brian De Palma est un film sur le contre-champ du film d'Abraham Zapruder. Donc vous savez qu'il y a plusieurs façons d'envisager ce problème-là, évidemment, et De Palma est celui qui aura essoré cette matrice, hein, avec cette idée. Oui, mais si on avait eu du son, peut-être que le son aurait dit le contraire des images et qu'on aurait eu une forme de vérité. Et si j'avais eu le contre-champ du film de Zapruder, peut-être que j'aurais vu effectivement, comme certains l'ont dit, un policier de Dallas depuis une butte tirée sur JFK en plus de Oswald. Vous voyez, donc c'est évidemment absolument vertigineux, mais il y a eu sur ce sujet des milliards de livres d'écrits. C'est le sujet le plus traité par les Américains avec le 11 septembre, évidemment. Et là, ça va repartir puisqu'on fête les 50 ans en novembre prochain. Quand vous parliez de la fameuse séquence avec toutes les photos, justement, est-ce qu'il n'y avait pas une... Pardon ? Le test, excuse-moi. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas justement une photo de Ruby ou de... Si, c'est Ruby. Il y a une photo de Oswald se tenant le ventre alors qu'on vient de lui tirer dessus. Oui, bien sûr, il y a une photo de Oswald. Oui, pardon. Oui, il y a Oswald, il y a tout. Hein, puis il y avait avec des choses... C'est une séquence qui est passionnante sur la façon dont fonctionne l'interprétation et l'analyse.
parce que c'est ça le Zapruder ou JFK. Au bout d'un moment, le sujet, c'est l'interprétation. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que l'interprétation, elle croit au fait qu'en interprétant, on va accéder à la vérité ? Ou est-ce que l'interprétation, c'est son propre sujet et qu'au fond, en interprétant, on trouve toujours ce qu'on veut ? Et il y a plein de moments formidables dans ce test-là, mais notamment le moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, la façon dont Alan Pakula accole la Maison Blanche et les cagoules du Ku Klux Klan. Il le fait deux fois. La première fois, Ku Klux Klan, Maison Blanche, Ku Klux Klan. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait donc, à la maison, si on peut faire cette analyse-là, si vous voulez, de la Maison Blanche, il y a eu des gens qui ont fait partie du Ku Klux Klan, ou alors qui ont été sympathisants, ou qui le sont. Ou c'est la Maison Blanche, autrement dit la présidence américaine, qui a produit le Ku Klux Klan, ou fermé les yeux dessus, etc. Bon, grosso modo, c'est très à la mode en ce moment, hein, post-Lincoln, esclavage, bon, tout ça. Mais si on inverse les deux, et on fait Ku Klux Klan, Maison Blanche, les mêmes photos d'ordre inverse, à ce moment-là, l'enchaînement change de signification. C'est, il y a Ku Klux Klan, le rempart, c'est la Maison Blanche. Vous voyez ? Autrement dit, en changeant l'ordre des photos, et le test est vertigineux, c'est pour ça qu'on pourrait y passer des centaines d'heures, et le changement d'ordre des photos change non seulement donc l'interprétation, et donc l'événement, la lecture qu'on en a. C'est pour tout ça pour dire que lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'interversion éventuelle des photogrammes dans le film de Zapruder montrant l'assassinat de JFK, c'est pas un truc de geek en train de s'amuser, non. C'est que le photogramme A avant le B ou B avant A, ça change tout. C'est plus la même réalité et donc c'est plus la même histoire de l'Amérique qu'on raconte. C'est pour ça que ça tient vraiment là-dedans, quoi. Mais c'est vrai, il y a évidemment Oswald, oui. Mais il y a Kennedy, entre parenthèses aussi. Hein. Il est au bord du berceau. Vous voyez, lorsqu'il est dans le bureau ovale, il y a un berceau en contre-jour. Il y a la main de Kennedy posée sur le berceau. Il y a Kennedy, il y a Oswald, ça, oui, bien sûr. C'est ça que le film, je dis ça parce que le film ne cherche pas à masquer. Hein, on n'est pas dans quelque chose d'un peu occulte en disant, oh, il y a JFK derrière. Non. Le film prend comme source la question de l'assassinat des deux présidents américains. Et là, on engage une réflexion voilà, sur à la fois les images, la période, le complot, etc. Mais les Kennedy et Oswald sont très clairement montrés dans le film. C'est un secret de Polichinelle. De toute façon, à l'époque, personne n'aurait pu manquer ça. Quoi. C'est une telle évidence. JFK est dans... Enfin, je pense que JFK, si vous voulez, et le Vietnam, c'est vraiment les deux sources nées de l'histoire qui sont dans tous les films américains de l'époque, quoi. Tous les films américains de l'époque, en gros, c'est des commentaires soit du Vietnam, soit de JFK. Alors après, il y a du commentaire de Manson, de la contre-culture, des hippies, on y reviendra. Mais rien à voir avec l'influence qu'ont les images du Vietnam et celles de Kennedy sur le cinéma américain de l'époque. Le cinéma Kennedy, c'est totalement vertigineux. C'est que, vous prenez, je vous dis, Arthur Penn, par exemple, c'est tous les films d'Arthur Penn ne parlent évidemment que de ça. Hein. C'est... Au début, quand le Sénateur Carroll est présenté, parce que j'ai des entretiens de Pakula à l'époque où il expliquait que les phrases, il y a certaines phrases évidemment, qui résonnent à l'époque pour les Américains, et lorsqu'on dit oui, c'est le fils, c'est le mari, c'est le gendre idéal, hein, sont des phrases qu'il y avait en une des journaux pour parler de Kennedy. Il était présenté comme ça, Kennedy. Hein. C'est-à-dire que la façon dont lui se présente et dont on en parle sont des phrases qui sont empruntées au vocabulaire journalistique de l'époque pour décrire Kennedy, évidemment. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être ? Ouais. Bonsoir. Par rapport au film qu'on a vu, moi, c'est une question qui n'est pas vraiment liée au film et qui est un parallèle, parce que finalement, on voit qu'il y a beaucoup de... Vous avez dit une chose en début de film, c'est que ce qui est important, en fait, ce qui parle, c'est la mise en scène. Et pas spécialement les images qu'on nous abreuve, hein, puisqu'il y a un filtre, il peut y avoir de la manipulation. Et j'aimerais bien en fait, avoir votre avis, parce que je suis assez sceptique, sur votre réalité du 11 septembre. Alors, on fait une petite digression, mais je trouve ça tellement énorme en termes d'images, de matraquage médiatique, j'aimerais bien avoir votre avis. Bah, écoutez, je vous dirais, alors ça c'est un... Vous me demandez est-ce que je pense que le 11 septembre a eu lieu ou s'il a eu lieu et comment ? Ou en fait c'est votre avis général, c'est pour me faire. Ouais. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Hein. Ouais, non, ouais. Par contre, ce qui moi m'intéresse, en tout cas ce qui m'a intéressé au moment du 11 septembre, et d'ailleurs je dis ça parce que je pense que, mais alors je dirais presque de
La plupart des... D'abord, je commencerai en disant ça. La plupart des Américains, et moi j'étais beaucoup aux États-Unis après le 11 septembre 2001, la plupart des Américains, lorsque le 11 septembre est survenu, il y a un événement auquel ils ont immédiatement pensé, hein, mais c'était Kennedy. Hein, c'est que pour eux, voilà, la dernière fois qu'on a vécu ce type d'expérience-là, hein, c'est Kennedy. Et Russell Banks a écrit là-dessus, Baudrillard a écrit là-dessus. C'est pour ça que je pense que, déjà, c'est ce que je voulais dire à un moment, je pense que dans l'histoire des images du XXe siècle, et singulièrement en Amérique, il y a deux événements qui surnagent, et non seulement ils surnagent et qui dialoguent, c'est ça qui est évidemment intéressant, c'est Kennedy et le 11 septembre. Bon. Alors, ensuite, comment ils dialoguent? Parce qu'il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'on pourrait dire, alors là, bon, ça sera un peu long, mais rapidement, le 11 septembre, c'est le contraire de JFK. Mais quand je dis le contraire, c'est son négatif, hein, et donc c'est son complément, si vous voulez. C'est que dans le 11 septembre, si vous vous amusez à prendre le film d'assassinat de Zapruder et le film, disons, les images, les fameux secondes connues de la première tour nord en feu et de la deuxième tour sud lorsque le Boeing arrive et que les deux s'effondrent, prenons ces images-là, qui sont passées évidemment en boucle, à satiété sur toutes les télévisions du monde. Ce qui est intéressant, d'abord, on pourrait dire que c'est ce qui ressemble. Dans le cas de Zapruder, qu'est-ce qu'on a? On a le corps effondré d'un président. L'effondrement d'un président sur le siège de la voiture. Dans le cas du 11 septembre, on a l'effondrement des deux tours. Dans le cas de Zapruder, on a l'effondrement d'un être en chair et en os, à l'époque où le centre du pouvoir est encore incarné, où c'est vraiment un homme qui décide. À l'époque du 11 septembre, l'effondrement du monde, ce n'est pas un homme, hein, ce sont des torrents d'informations, de logiciels, de cendres et de minéraux. Hein. C'est le cœur de la finance, c'est extrêmement intéressant. Alors que l'effondrement du 11 septembre, c'est l'effondrement du réseau. Ce n'est pas l'effondrement de la pyramide, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je pense que ça, c'est entre les deux. Dans le cadre de Zapruder, il y avait un plan et des dizaines de plans qu'on aurait aimé voir, de points de vue qu'on aurait aimé avoir, sonores, visuels, filmés d'ailleurs, etc. Dans le cas du 11 septembre 2001, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce on pourrait dire, de saturation absolue de tous les points de vue autour du 11 septembre, sauf un, qui est l'intérieur des tours. Alors, il y a les frères Naudet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux Français faisant un documentaire sur une caserne de pompiers à New York, qui le matin du 11 septembre font un doc sur les pompiers, et puis se retrouvent, en gros, hein, malgré eux, embarqués dans les événements du 11 septembre, et partent avec une équipe de pompiers à l'intérieur de la tour sud. Et là, la tour s'effondre, ils en ressortent. Donc on a vu un petit peu de ça à ce moment-là. Mais moi, je pense que le cinéma, il prend le relais de la réalité lorsque la réalité est déficiente. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il manque quelque chose au réel... Ça peut être de l'ordre de l'image, de l'information, de l'émotion, de l'affect, peu importe. Quand il manque un truc, quelque chose de réel, le cinéma arrive. C'est la dimension performative, si vous voulez, du cinéma. Dans le cas de Zapruder, on voit bien que le cinéma avait un boulevard devant lui. D'abord, à l'époque, on voyait Doris Day se dire d'un seul coup qu'on a le crâne de JFK qui explose en couleur. On imagine le travail qu'il a fallu pour qu'il se remette à niveau de cette image-là. À une époque où tout était extrêmement compassé, il y avait encore le code AIDS, etc. Bon, il a fallu aussi qu'il a investi. Il a imagé d'autres contre-champs. On ne savait pas qui a tué JFK, donc c'était une possibilité pour le cinéma d'enquêter là-dessus, d'imaginer d'autres points de vue. Donc, on pourrait dire que tout ce que les questions posées par la réalité, le cinéma a tenté d'y répondre pendant 15 ans pour JFK. Dans le cas du 11 septembre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le contraire. D'ailleurs, moi, je reste convaincu que dans l'inconscient collectif, la saturation des images du 11 septembre, c'est une sorte d'antidote à l'image unique de Zapruder et de Kennedy. Hein, c'est qu'il faut absolument tétaniser les regards et donc il faut multiplier les images. Hein, tout le problème de Kennedy, c'est que très vite, le manque est apparu. Mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. Le 11 septembre, ça a été de l'ordre de la neutralisation des regards. Il y avait tellement d'images qu'on n'arrivait même plus à en penser une seule. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment du 11 septembre. Mais ce qui a manqué, évidemment, c'est l'intérieur des tours. Et moi, je pense qu'il y a eu un cinéma post-JFK, on pourrait dire, extrêmement prolifique. Je dirais même que une grande partie du cinéma américain de 63 ou des années 80, c'est un cinéma qui est obsédé par la question de Kennedy. Mais le cinéma post-11 septembre est beaucoup moins intéressant, pour le coup. C'est-à-dire qu'à part des films qui ont pris comme thème le 11 septembre, ceux qui ont survécu, et puis la guerre derrière, en Irak, etc., il n'y a pas de cinéma post-11 septembre, parce que je pense que le cinéma post-11 septembre n'a pas laissé d'images libres ou manquantes que le cinéma pouvait investir, sauf l'intérieur des tours. C'est pour ça que quand Oliver Stone fait The World Trade Center, qui est un drôle de film d'ailleurs,
Ce qu'il fait, c'est qu'il pose sa caméra à l'intérieur des tours et il voit comment est-ce qu'un pompier et un policier vont tenter de communiquer. Donc c'est un anti-film d'action, mais on est au milieu des tours, si vous voulez. Un film comme Cloverfield, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous n'avez pas vu Cloverfield ? Non. C'est un film tourné en principe d'une caméra subjective, une caméra DV. C'est un film sur le 11 septembre totalement, si ce n'est que là, on a un essai de lézard géant qu'on voit à peine, mais c'est un film sur le 11 septembre et qui tente de nous remettre dans la peau de gens. C'est, en fait, la seule question posée par le 11 septembre, c'est ça faisait quoi d'être à l'intérieur des tours quand elles se sont effondrées ? Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, le cinéma doit l'investir. Et le problème, c'est que c'est très compliqué. Et puis, il l'investit petit à petit, mais on sent que le cinéma américain tourne autour de cette question-là. Donc, vous me demandez ce que je pense à le 11 septembre, c'est que je pense que pour le cinéma américain, il n'y a pas de question sur ce qui s'est vraiment passé. Sur la question du sens, de ce que, qui a fait quoi, qui sont les victimes, si vous voulez. La question, elle est pas du tout d'ordre politique ou historique, comme ça a pu être le cas pour JFK. Le JFK qui a tué la mafia, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, les pétroliers, les Teamsters. Je ne sais pas, vous sortir 25 théories et de gens qui pensent qu'ils avaient une bonne raison d'avoir tué JFK, et on ne le saura évidemment jamais. Dans le cas du 11 septembre, c'est pour ça que je suis assez prudent sur ce que je vous réponds, mais à part des illuminés, des conspirationnistes, à partir Rimessant, grosso modo, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc c'est pas une question politique ni historique. On peut dire que c'est une question presque d'affect. C'est une question empathique. Je pense que ce que les gens voulaient savoir sur le 11 septembre, c'est pas quelque chose sur le 11 septembre, c'est plutôt quelque chose sur le ressenti de ce qu'a pu être l'expérience du 11 septembre par les gens qui étaient à l'intérieur. Ça, je pense que c'est l'image qui manquait, et de toutes les images, des centaines de milliers d'images qu'on a pu voir, tournées de plein d'endroits différents, tout ce qu'on veut, c'est ça qui manquait. Et puis une dernière chose aussi, c'est que autant à l'époque de JFK, le cinéma américain, il faut qu'il se remette à niveau de l'assassinat de JFK et produire des images à la hauteur de ça. Autrement dit, le cinéma américain avait du retard en termes de représentation, notamment de la violence au moment de JFK, évidemment. Dans le cas du 11 septembre, c'est évidemment l'inverse. C'est-à-dire que, d'où le fameux débat foireux qu'on a eu, qu'en France, on a toujours de débats sur la réalité ou la fiction qui prend de l'avance sur l'autre. Souvenez-vous, on dirait un film catastrophe, enfin, tout ce truc-là, non. L'histoire américaine, elle se fonde sur un mélange absolument indissociable de réalité et de mythologie. Hein, c'est que c'est pas la réalité et la fiction. C'est, comme disait Ford dans Liberty Valence, hein, si la légende est plus belle que la vérité, imprimons la légende. Quoi. Et l'histoire de l'Amérique, c'est évidemment ça. C'est pour ça que la question de l'image, nous, on ne pourrait jamais. Un Zapruder national ne voudrait rien dire. Tellement nous, en France, en Europe, on n'a pas ce même rapport à l'image. Hein, cette croyance, cette idée que derrière l'image, il y a de l'histoire et il y a de l'événement. Ça, c'est quelque chose évidemment de typiquement américain, d'où l'importance de Zapruder. Nous, ça ne voudrait évidemment rien dire. Quoi. Mais je pense que la comparaison JFK 11 septembre, elle est évidemment intéressante, mais à la fois parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, en même temps c'est totalement inversé, en même temps c'est deux événements qui dialoguent l'un avec l'autre. Et voilà, quoi, vous voyez, c'est... Si je peux juste ajouter une petite remarque, en fait, pour le 11 septembre, il me semble qu'il y a un point de vue qui a été exploré, c'est l'intérieur de l'avion aussi, avec vol 93, j'ai oublié le metteur en scène. Et Paul Greengrass qui a fait ça. Voilà. Et il me semble aussi que la multiplication des points de vue sur l'effondrement des deux tours a un peu occulté en fait ce qui s'est passé au Pentagone, où là il n'y a pas eu d'image, il me semble, ouais, qui montre l'arrivée de l'avion. Il y a une caméra de surveillance qui a été dévoilée, mais où justement entre les photogrammes on ne voit pas l'avion passer, on voit juste une trace, je crois. Enfin, ouais. Et ça n'a pas été beaucoup exploité. Oui, mais si ce n'est que. Après, c'est un autre débat, mais je pense que le Pentagone n'a rien de mythique. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que le JFK 11 septembre, on est du côté de la mythologie pure, c'est-à-dire que les tours du World Trade Center et JFK, c'est pas le Pentagone, c'est pas tout ce que là, je pense que on n'est plus du tout du côté de l'événement image, c'est-à-dire que le Pentagone, qu'on ait des images ou pas, en fait, ça change rien. Je pense que c'est symboliquement, le World Trade Center dialoguait avec JFK, quoi. Pour le coup, c'était le centre du monde, alors que le Pentagone, on s'en fout, quoi. Donc pour Phantom of the Paradise le mois prochain, et on reparlera un tout petit peu de JFK et on diffusera, je pense, le film. Oui, parce que c'est très important d'avoir le film de Zapruder quand vous allez voir la toute fin de Phantom of the Paradise, évidemment. Mais écoutez, merci beaucoup et passez une bonne soirée.